Maman, on peut faire ça. Pourquoi vous me signalez? Vous vous envolez avec ma vidéo, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je suis en train de parler, il y a un crime. J'ai fait quoi? Je ne parle pas seulement des faits différents de Stan Bracata, comme dans le Bracatos de Facebook. Pourquoi vous me signalez, dis donc? Oh Seigneur, laissez-moi m'exprimer. Oh Seigneur, oh Seigneur. Comme ça, tu me voici, je suis revenue. Tout ça, c'est pour que personne ne m'écoute, que je sois seulement. C'est comment est-ce? Venez à mon secours là. Venez à mon secours là. Ils ont signalé, oh maman, ils ont signalé, oh. Ils ont signalé, oh maman, ils ont signalé, oh. Ils ont signalé, oh maman, ils ont signalé, oh. Ils ont signalé, oh maman, ils ont signalé, oh. Pourquoi vous me signalez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc les gens commencent à se positionner. Les gens vont y aller au lit. Certains de mes fans partent au lit, surtout ceux de l'Europe, ceux de l'Afrique, ceux d'ici sont en train de préparer leur souper. Ils vont y poser la caméra. Ils disent écoutons la maman. Vous venez maintenant me signaler. Hé Rose, tu vois, ils font que vous devez encore faire les aïobas. C'est la jalousie, hein? Les gens sont trop jaloux. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai pris aux gens. J'ai dit seulement la vérité. J'ai dit quoi? J'ai insulté qui? Hein? Moi, je dis seulement la vérité. Attendez-moi, mais je vais partager le tout aussi parce que, de toute façon, qu'ils sont sur moi là, je ne sais même pas. Pardon. Merci quand vous partagez bien. 11 partages, pardon, partagez. Partagez, partagez, partagez parce qu'ils sont sur ça. Ils sont sur ça. Oui, ils sont sur ça. Ils ont déjà, ils se sont déjà assis. Pardon, commencez à partager celui-ci. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, je ne sais pas. Ils sont sur moi. Pardon, il faut partager. Partager très, très vite, pardon. Pardon, Aéroba super fan. Moi, je ne peux pas mettre. Attendez, je vais mettre ma page d'Aéroba. Attends. On dit qu'il y a combien de lectures ici, là. Je vais refresh. Pardon, il faut partager. Il y a les gens qui partagez et recevez et gardez votre cœur ouvert. Il y a les gens qui ont besoin de savoir. On est rendu dans le bracata. Je vais maintenant mettre ça en statut. Parce que le tout, si là, même dans le statut, on avait me trouver. Dans le statut. Sur le statut, là. Voilà. Je suis en statut déjà. Maintenant, je m'avais maintenant partagé, s'il vous plaît. Je vais mettre ma part d'aérobar. Et Seigneur, comment vous faites ça? Je suis déjà en train de parler. Je commence à parler. Vous venez seulement me signaler. C'est comment êtes-vous? Ouais, vous faites ça comment? Ouais, Seigneur, je dois vraiment trouver des solutions. Attendez, mettez mes aérobas, non? Attendez, mettez mes aérobas parce que vous avez tout enlevé sur ma page. Je ne signale plus rien. Normalement, il doit même fermer, même quitter, même Facebook. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais il ne veut pas quitter. Je bip ici le président hypocrite. Le papa perdu et retrouvé de Mgoï Satan. Et Serge le mignon, qui es-tu, oh Serge le mignon? Serge le mignon a dit que. Serge le mignon a dit que. Son mariage, tous les photographes doivent payer. Les gens qui sont venus à son mariage, là, c'est d'abord lui qui est star pour son mariage. Merci pour les cœurs roses. Merci, ma chérie. Il me signale, je ne sais pas pourquoi. Donc, le photographe, non, il a dit que c'est d'abord lui, il est la première star de son mariage. Donc, on ne met personne d'autre à part lui et sa femme, l'exclusivité pour tout le mois. On mettait les invités après. Mais sauf que le président hypocrite, virgule, a dépensé beaucoup d'argent. Quand il dit que beaucoup d'argent, a dépensé, Mouni, beaucoup. 2000 euros. De cadeaux 2000 euros en enveloppe farotage pour le mariage, c'est beaucoup. Hein? Regardez-moi, mes aérobas, j'appelle mes gens sûrs parce que aérobas ne prend que mes gens sûrs, ça ne prend pas les faux gens, les bêtes gens. Ça prend que les gens qui interrogent. J'étais même mitié dans mes entrants aérobas. Les autres pépettes là, ils les gèrent pas, ils sont pas dans mes choses. Sont de l'autre côté de Facebook, là, vraiment, ils voient, appeler, j'ai pas. J'ai dit que je mets les aérobars, voilà, j'ai mis les aérobars. Tous ceux, les aérobars prennent toujours ceux qui ont interagi, les dernières personnes qui ont parlé avec moi, qui ont communiqué sur mes choses, c'est eux que ça prend.
Alors, si vous êtes aérobarré, si vous êtes dans mon lot des aérobars, sachez que vous êtes parmi les gens où j'ai interagi, où vous avez interagi. C'est comme ça. Donc, on marche, ça dit qu'on marche en aligné. Gancha, je te salue, chérie, mes aérobars followers. C'est chaud. Allez, le mignon a fait fort. Et ça, vous voilà qu'il rentre du travail, comme je cherche le Japon. Je vais faire comment? Le Japon peut dehors verser. Le mariage de Facebook finit toi en couille. Il n'y a plus une histoire qui suit les mariages. On se demande, est rendu à se dire que c'est même mieux de ne pas se marier, les mariages de Facebook. Moi, j'ai mes 20 ans de mariage, je suis en train de réfléchir que je ne peux même pas dire que si elle veut faire même quelque chose, ça va être le mariage de Facebook. Non. Si elle peut même me célébrer pour le bien-être de ma personne, ça peut être les choses de Facebook. Ça va être un truc très, très sélect, très fermé, un chien-chien. Je ne sais même pas qu'elle ferme les yeux, j'ouvre, je dis, yeah, j'ai la chair de poule. Ça va être les choses de Facebook. Loin des projecteurs et des sataniques people, loin de la haine moribonde, de la haine morbide de méta, loin, 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 je vais me cacher. Ouais, Seigneur. Parce que ce qui se passe en ce moment, Serge Le Mignon a fait fort. Regarde. Hein. Non, que tu peux te voir, moi je rentre, je vois souvent les posts. Les posts, maman. J'ai posté jusqu'à où il est. Bon, on m'a dit que pourquoi vous parlez de ça? Je vais nous trouver seulement ce métal. On va faire comment? Et ça me voilà qu'il me promène sur métal gentiment, poliment. Attendez. On va aller dedans. Parce que vous savez, les idées sont biaisées, départagées, les gens les apprennent. C'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire voir les choses différemment, les gens sont une. Merci, merci d'avoir partagé Rose, merci pour les aérobars, merci, merci. Les mêmes gens qui étaient là tout à l'heure, que les gens ont pleuré, sont volés, ils m'ont direct, sont encore revenus. Salut mon Dibania, mon Komoni, bon, mon Dibania se porte très bien, je suis très chère, c'est-à-dire d'abourrer ma tête comme ça, maman, je dis que quand je suis comme ça, je suis à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a les petits petits piquants, ça pique un peu, petit petit comme ça, que le pousser là, mais ça fait du bien. Il n'y a rien, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre comme ça. Toujours comme Ngoï et Titi. Si Titi n'était pas talent fait le genre, si sa tête va fuir. Si Ngoï fait, les bons vieux vont trop se dessiner. Mais faites non, les filles. Affrontez-vous vivants. Affrontez, brisez la glace. Et qu'il y a quoi? Vous êtes encore là en train de regarder les qui vont dire quoi par rapport à quoi sur votre vie. Moi, je ne regarde personne, m'en fous. Vous dites tout ce que vous voulez. Allez, le mignon. Ah, président. Hypocrite. Je réponds à ta question. Donc, il avait d'abord posé la question. Moi, il a d'abord mis la question. Hein. Alain Le Mignon, tu es allé me poser la question chez la baronne et je t'ai répondu, tu es passé. Je te pose encore la question ici devant tout le monde. Donc, en fait, un truc s'est passé au quartier. Peut-être chez la baronne, sur le mur de la baronne ou au domicile de la baronne ou sur le Congo, ça, la page de la baronne ou sur n'importe où. La coiffure de la gloire glorieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sisto. Donc, quelque chose s'est passé sur le mur de la baronne, loin là-bas, ma sisto, je n'ai pas vu les lunettes. Hein. Loin là-bas chez la baronne, loin, 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 sur un quartier de Facebook ou bien même au domicile. Paraît-il que le président hypocrite a posé la question à Lacho, peut-être en direct ou sur un poste de la baronne, je ne sais pas, que pourquoi, depuis que je suis venue à ton mariage, j'ai fait la prodaga. J'ai tout fait. Et je ne vois pas les photos. Pourquoi? On va dire, on va lire. Ce n'est pas moi qui a dit. C'est pas moi qui dit. C'est le président qui dit. C'est pas moi qui dit. Tu es allé me poser la question chez la baronne. Et je l'ai répondu. Et je t'ai répondu. Tu es passé. Je te pose encore la question ici devant le monde. Parce que là, les
choses qui se passent au quartier peuvent finir au quartier, mais des fois, les gens du quartier amènent ça au monde. Et quand ça amène au monde, nous, le monde, nous prenons et nous décortiquons. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Envoyez les cœurs, envoyez les états, ils vont encore s'envoler avec le direct. Il dit, j'aime pas aller par derrière. Il dit qu'il n'aime pas aller par derrière. Donc, il a posé au quartier. Le gars a répondu à Jean-Jean. Il est revenu maintenant sur le coup. Parce qu'il n'est pas par derrière. Il tape sec. Voilà, c'est quand même le père de moi. Donc, c'est de famille. On s'entend. Je prends exemple sur moi. Je suis venue à ton mariage avec les nouveaux vêtements. Hé, hey, la ville était une guéignonio. Donc, la ville avait encore l'odeur. C'est-à-dire que le couturier. Chez Couture ou bien le magasin, donc Tchernoumou. Le gars était sapé, ça veut dire qu'il était avec les nouveaux vêtements. Aïe, maman, bah, Tchernoumou. Et avec les nouveaux, confectionné par la pour la circonstance pour madame et moi. Donc c'était chez Couture de chez Couture. Donc le couple a cousu les vêtements de chez Couture. C'est-à-dire qu'on a tracé. Le gars qui ne veut pas prendre de chance que un gars, moi, mais le même smoking que lui, le tissu rare, tout rare. Vous pouvez retourner chercher les photos. Vous pouvez retourner chercher les photos de la circonstance et nous poster ça pour nous refaire. Parce que les mariages de Facebook ont eu une histoire. Les grands mariages de Facebook. Moi, laisse tomber. Et les nouvelles coiffures, le transport et autres que je ne veux pas donner le primaire devant tout le monde au mari, j'ai faroté 2000 euros. Tantôt, ils disaient 2 000 $ à jet, dans le jet qu'ils ont fait avec. Devant tout le monde, j'ai faroté les mariés 2000 euros. Oui, à soi, tu prends place, ma sistou. Tu t'allonges, hein, je sais que c'est à ta pause, un petit sommeil avant de bouger. Donc, il a faroté 2000 euros devant tout le monde. Donc, tout le monde a vu, sauf même nous. Ici, à Facebook, nous, on a vu. Nous, on nous a partagé les vidéos du Faro Faro. Tout le monde a vu, mais il fallait. Non. Maman, quand on faraute 2000 euros, parce que moi, vous savez, nous, on travaille dur pour avoir notre argent. Quand tu permets mon mariage, là, comme ça, là, maman, l'enveloppe que tu mets là, c'est toujours une enveloppe, un genre conséquent par rapport à la potage, que tu n'as même pas arrivé. Parce qu'il y a tellement de choses à payer dans ce pays que des fois, là, c'est juste ici. 2000 euros. Quand Mboui nous a dit qu'ils habitent dans le HLM, eux sont, que les enfants dorment, ou quoi à faire là. Mm-hmm. Je dis que 2000 euros qu'il a payé pour devant tout le monde dans la fête pendant le mariage. Et il paraît qu'il a parlé chez la baronne de Suisse à ce monsieur-là. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il a parlé en commentaire. Peut-être qu'il était en direct. Je n'ai pas suivi la baronne. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que la baronne nous a monté le zoom. Elle-même, elle a le zoom dans sa cour comme moi. Elle a le folon. Elle a le maïs. Depuis, elle attend le maïs. Même elle est penchée. J'ai vu une partie comme ça, en passant comme ça. Voilà. Elle disait quand elle veut manger le maïs, c'est qu'elle a payé le zoom, elle devait faire le zoom. Moi-même, j'ai le zoom là, ça a pris les feuilles. Donc, avant que le froid arrive, je vais chopper le zoom là encore. Voilà. On dit que, il dit qu'il a payé le transport. Et il ne veut pas donner les prix, s'il vous plaît. Mais c'est quand même président, il ne se dépasse pas n'importe comment. C'est-à-dire que s'il va à un mariage, il fait de soi qu'il va prendre. Si le mariage était dans Paris, ça veut dire qu'il peut se louer une dingue, une Rolls Royce. Il arrive avec sa femme. C'est un gars quand même, c'est un people, c'est un gars du bruit. Et puis c'est avec les plus vieilles rococo du temps d'Aïdjo. Donc l'agissement, l'agitation et tout, la prodada des sons. On les a vu marcher, les gens. Ma juju était un peu un genre. On voit que ma juju n'est pas trop intégrée. Les voix seulement qu'on y aille. Maman, vous laissez ça. Hein? Il ne peut pas donner le prix devant tout le monde. Hein, il ne peut pas donner le prix. Hein. J'ai faroté 2000 euros et faroté 400 euros aux deux artistes. Ça fait 2400 euros. On a vu le calcul mathématique. Regarde, 2400 euros. On est loyer. Maintenant, ici, l'appartement qui coûtait 700 $ au Canada. Maintenant, l'appartement de 700 $ est passé à 1500. Il dit que hein, chambre, salon, cuisine, tout qui était 700. Maintenant, c'est 1200, 1000. C'était doublé. C'est la magie. Le gars a pris 2400 euros. Il a déménagé, oui. Ton père là, il a déménagé. Il est tout là-bas. Parce que, gars, les enfants, c'est comment? Une chambre s'est rajoutée. Parce qu'il pouvait même prendre même ça. Il divise sur 12 mois. Ça ajoute 300. Il prend un appartement plus grand. Parce que quand tu, plus tu augmentes la pièce, plus il y a un montant qui prévaut, qui vient pour cette pièce. Donc, 3 chambres peuvent être 300 $, 300 euros plus cher que 2 chambres. Un exemple. Bon, je parle comme ça. Je ne suis pas en train d'insulter. Hein. Je prends qu'un mot de Facebook et ce qu'ils nous trouvent souvent sur Facebook. Pardon,
pardon, faut pardonner. Ne partez pas à ma page. Laissez-moi vivre mon métal tranquillement. Ok? Je ne sais pas. Moi, je dis parce que c'est bien beau. C'est bien beau. Moi, je suis d'accord. Je ne suis pas jalouse. Mais avant d'aller, moi, par exemple, je prends mon cas. Je n'ai rien. Je suis aussi une pauvre petite salariée, vraiment minable, on va dire. Je peux pas prendre beaucoup l'argent. Je n'ai pas donné d'un mariage pour filmer, faroter, que tout le monde entier voit. Ça veut dire que quand il y a un mariage dans sa famille, il cotise 5 000 alors. Quelqu'un m'a écrit en commentaire qu'il a donné 16 000 euros à kérosène. Yeah. L'argent là même. Hey. Tout ça là faisait déjà même un immeuble, même un bloc, même un appartement dans le Paris qu'on parle là. Un appartement T4 ou T, comme elle le dépose mortgage. Donne paiement de l'appartement, il y a là, comme ça, voilà ça, voilà ça qui est parti là. Bon, chacun n'a pas, on n'a pas les mêmes idéologies en même temps. Donc, je vais quand même vous dire là. Donc, il n'est pas obligé de suivre la norme des choses. Donc, lui, c'est pour lui, le côté qu'il fait. Sauf que quand sa fille va encore se lever deuxième tour pour venir encore nous donner ce qu'elle est en train de vivre maintenant, qui va encore le laver, c'est mon assis ici, si je m'étends, ne bouge pas. N'oubliez pas qu'il a payé le transport en bruit. Il s'est occupé d'elle, c'est peut-être même payer même l'hôtel aussi. Parce qu'il faut payer même sa tenue chez le tailleur parce qu'il a beaucoup dépensé. Il dit, et à certains moments, le DJ m'appelle longuement pour venir faroter. Donc, le DJ appelle encore. Quand il a appris, parce que les DJ ne sont jamais rassasiés, il rappelle. Moi, comme ça, tu vas m'appeler même 20 fois, il veut venir que les gens qui viennent. Faut comment l'argent que tu as, moi, je vais faire un truc. Je vous dis que je suis star, que je ramasse l'argent, maman, pour pointer mes doigts, il faut comme ça. Sauf. Ne peux pas venir que tu viennes jusqu'à que la caméra tourne maintenant. 2000 euros, maman. 2000 euros. Plus 400. Moi, je dis que je suis jalouse. Maman, dites que je suis jalouse. Dites que je suis jalouse. Les gens ont la vidéo. Le farotage TA sur Facebook. Mais il y a un problème. Et c'est ça qu'on va lire là. Mm-hmm. Tu crois qu'avec des dépenses pareilles, je n'ai pas le droit à une certaine considération? Aïe! Serge Le Mignon qui est tu pour rabaisser le président des hypocrites. Le président des présidents, père de moi. Quelqu'un dit qu'il a donné 10 000 euros. L'autre dit qu'il a donné 16 000 euros. J'ai lu mal. En tout cas, tu as la vidéo. Ok, c'est bon. On va mettre aussi ça. Il faut nous envoyer. Il faut poster. Nous, on va regarder. Maman, tu le rabaisses le président, le payeur d'argent, le plus grand faroteur des mariages, des soirées, de je ne sais pas quoi. Maman. Ouais, des dépenses pareilles. Mais je n'ai pas droit à une considération, c'est vrai. Serge, moi, ce n'est pas dans ta famille qui t'a donné 2000, mais voilà. Le père de moi a donné 2000. Ngoy a accepté ce don-là. Ngoy n'a pas pleuré. Hein? Ngoy n'a pas pleuré. Quand tu as donné 2000, parce que Ngoy a le litige, Anna Ngrenga, dans Bako pays. Toi, tu n'es pas allé visiter Anna. On n'a pas encore vu Juju aller voir Anna, même préparer la nourriture de Anna. Anna bave les litres de salive. Quand on peut coller tous les cahiers des enfants, la rentrée scolaire est à finir, à Fokwe. Parce que les cahiers, là-bas, il y a les enfants que les cahiers, il y a à décoller. Parce que les enfants courent partout, ils passent sous la pluie, ils mesurent, il faut la colle. Donc, si ils peuvent dans un sac, c'est mort. Mais on met sur une colle les cahiers, big et on bille bien d'action. Donc, l'argent, tout l'argent là, tu ne peux pas faire que ta fille, voyez, ne nous souille pas avec les litres partout. Tu payes le billet de Anna Ngrenga. Première classe, elle rentre au pays. 10 000 euros à kérosène. 2000 euros à Serge Le Mignon. Combien? 2000 aussi ou 2500 chez Maïva. Sans compter les 400, les ceci. Maman, où le mouni aïe, baba? Pas de fou donner ton secret. Initie aussi les autres. Comment? T'as pas d'argent là, c'est seulement comment? Non, mon père. Tu as la machine dans la chambre. Hein? Maman, 10 000 euros. Nous, on n'est pas sur Kérosène. Pardon, on va venir sur Kérosène à prendre d'abord ici. Il dit qu'avec des dépenses comme ça, là, il a le droit d'être en considération. Tu crois que ça peut me faire plaisir d'apprendre qu'on demande aux photographes de bloquer mes photos après avoir dépensé autant? Parce que le gars a fait son show-off. La semaine qui suit, il va de soi qu'il doit faire la prodada, il doit poster en photo de couverture. Maintenant, ton mariage est à passer. Maintenant, c'est les photos de Kérosène qui vont sortir maintenant. Parce que normalement, c'est tout à ce qu'il le tout. Avant, pas tout partout. Donc, au grumna, dormi. On a le grumo pour poster. Donc, il dit, ou bloqué. Donc, il ne peut même pas, il ne s'est même pas produit. Et
mesure qu'on avance, que la prudence doit suivre. Tu crois pas la star mania bracata? Malé, même Dieu, que Serge le Mignon, qui es-tu? Comment tu as fait ça? Comment? Serge le Mignon, tu as bloqué les photos du payeur d'argent? Le foisseur d'argent? Tu as bloqué ces photos? On peut faire ça. On peut faire ça. Ces comportements frustrent les gens qui aiment s'amuser. S'amuser, c'est petit. Ces comportements frustrent les gens qui aiment le show-off et prouver aux autres. Tu ne fais pas que t'amuser, tu veux chicoter les gens. Tu aimes gifler, chicoter. Tu aimes qu'on dise que tu as fait jusqu'à. C'est pas seulement s'amuser. C'est au-delà de l'amusement. Tout cet argent. Ça paye après le morgue d'un pointé. Tu déposes 20 000 euros. Tu signes une propriété. Tu signes jusqu'à ce que chaque mois maintenant, ce que tu as en train de payer dans le HLM là, tu payes maintenant, c'est ton hypothèque. Tu complètes même. Ça fait que dans les maillots de les 2 000, tu ne suis pas jalouse. Tu dois même 600. C'est tout l'argent. Parce que tu fais 100, 100, 100, 6. C'est tout l'argent. Et nous, comme ça, nous, on a 200. 200. On n'a pas beaucoup. Parce que nous, on calcule tout nos choses, c'est beaucoup. Hey, maman. Ces comportements frustrent les gens qui aiment s'amuser. Si tu m'invites, c'est parce que tu veux le show. Alors, respecte mon show. Aïe, 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 le patron, le roi du show. Le roi du show est trop fâché. Serge le Mignon, tu as dérangé. Petit frère, tu as dérangé. Comment tu peux inviter le roi du show et tu veux que les photographes enterrent, gardent ces photos aux archives? Qu'on sorte d'avoir tes photos et ta femme parce que c'est l'exclusivité. Oui, c'est une bonne chose. Peut-être les 24 caractères, mais gars, il y a des gens qui ont leurs photos doivent se m'en sortir. Papa, la paix. Donc, c'est valable pour les autres invités qui pensent comme moi. Mes prochaines invitations à Paris seront toutes déclinées. Oh, pas Lilo, Serge le Mignon, tu as fermé le robinet. Tu as fermé le robinet, Serge le Mignon. Maintenant, il dit qu'il va décliner toutes ses invitations à Paris. Ouais, Seigneur. Les gens vont faire comment? Elle est le roi du show. Le roi du show avec sa femme, elle n'est pas égalité. Maman, ils cousent les vêtements. Ils se font la beauté. La biche aussi, même jusqu'au mbanlon. Que les gens sont Nicolo, maquillage, tout ce qui va avec, hôtel, tout. Tiré à 500. Mais, vous voyez que, brot en bas. Toi, tu viens bloquer les photos, papa. Et comment tu coupes maintenant la nourriture là? Parce que voilà maintenant qui dit que les prochaines invitations, il va décliner. Yo, les puissus mariés là. Si vous voulez avoir le roi du show à votre mariage, oubliez. Parce que le tout, si Serge le Mignon a dérangé. Maintenant, Serge le Mignon, virgule, ne laisse pas y répondre. Donc, quand il a écrit le texte, là, il y a les réponses. La team PDG se suicide. Elle dit, si rendez-vous le 2, vrai show. Donc, Ngoya a dit qu'elle commence. Ah, comme il a dit qu'il va décliner, elle dit que commence à rendez-vous les deux. Parce que chacun protège son jour. On veut quand même que le roi du show arrive. Quand même, quand il a eu les avoir habillés, les gens, Sanga, la Sistou, elle fait aussi un genre, la Juju, elle fait un genre, maman. Le faire si. La faire si. Je suis dépassée. La limite, c'est comme. On dit, même pourtant, nous dépassons pour venir dans vos mariages même. Les gens rient. Merci la Côte d'Ivoire qui vous honore, ma BS. Les vrais amis de Kérison sont devant vos amis. Hein? Ma fille, ça fait mal de se livrer à autant de dépenses et écouter le voice que Alain le Mignon a envoyé à Maeva. Plus jamais. Hey, le Congo, c'est les mariés, les mariés. Donc Maeva, virgule, a envoyé le voice que Alain le Mignon a envoyé à Amos. Pour l'interdire de publier les photos parce qu'il fallait qu'il se justifie seulement le plaisir à appeler et dit que hey, c'est comment mes photos c'est comment il a dit que hey, j'ai reçu l'ordre du marié. Non, c'est pas possible, c'est, vous êtes jaloux, hein? Non, voici le voice. Dans le voice, il y a le voice. Bientôt le voice va nous trouver. Bientôt le voice va nous trouver.
Vous comprenez, non? Bientôt, les voices vont nous trouver. Maintenant, le singe le mignon répond. Vondoprési, le même photographe que tu m'as appelé pour négocier de sa présence et après tu lui envoies un voice de ne pas publier nos photos après autant de dépenses, ce n'était pas une soirée payante, mais tu m'as appelé au moins 50 fois avant le mariage pour être là et tu venais de me voir physiquement tous les soirs pour t'assurer que je serais bien là. Hey, yeah. Je comprends pourquoi ces gens sont incontournables dans votre pari là. Tu dois te marier, tu vas voir quelqu'un tous les soirs pour t'assurer qu'il doit être là. Hey, non, tu dois te vanter, hein, plaisir hypocrite. Tu as le droit de te vanter. Donc les gens, c'est-à-dire que les gens t'ont mis comme incontournable de Paris. Hey, les mariages de Paris vont me tuer. Oh, 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 oh. Oh, les mariages de Paris vont me tuer. Donc, le gars a marché tous les soirs. Écoutez bien, ça veut dire qu'avant, la mariée, il faut que tu comprennes. Je ne sais pas si c'est aussi notre condamnation à mort ici, là. Non, ça, ce n'est pas la condamnation parce que c'est un monsieur qui s'adresse à un autre monsieur parce que l'autre côté, c'était un voyou. Voilà. Ouais, mais c'est le père de voyou. Bon. Donc, il a marché tous les soirs pour que le président le rassure qu'il va être là. C'est ton ami, Iba. C'est ton ami. Hey. Oh, vous me donnez la chair de poule. Maman, les mariages, j'aime mieux que quelqu'un se cache d'autre coup qu'un âne. Ou le vouloir d'autre coup. Naï, on doit bien jouer. Big bisou, bisou. Vous, petit fanny, vous pouvez aussi là. Amnionzo. Yeah, j'ai la chair de poule. Oh, faut que vous voyez pour la maille à 4 Hein? Donc il a marché pendant tous les jours. Attends, que je relise encore. On va relire. Ce n'est pas une soirée payante, mais tu m'as appelé au moins 50 fois. Hey! Ring, ring, ring. 50 fois. Il n'est pas dans l'exagération. Tu vas te marier. Tu appelles quelqu'un 50 fois. Avec les gens qui se plaignent après le mariage qu'on m'a pas invité. C'est son pharo que tu guettais. Il a le droit de se fâcher. Eh, mieux tu restes en famille, tu fais ton mariage. Oh, le mariage, c'est pour vous deux, c'est pas pour les gens. Maintenant, quand le commencé, les amis, tu veux sur Facebook, on fait comment? Nous, on décortique seulement. Ça part, ça devient gros. Yo, 50 fois avant le mariage pour être là. Et tu venais me voir physiquement tous les soirs, la mariée. Et, attends, soirée, dit maman, pour dire qu'il va prendre le salon VIP. Tu veux savoir que le roi du show soit à ton mariage. Il est venu, il a dépensé, il a faroté. Je demande, vous allez finalement nous dire si vos farotages vont vous rembourser après, ou bien si les farotages restent entre les mains des gens, parce que c'est beaucoup. Hein. Peut-être qu'il dit que je te donne comme ça, après tu me rembourses parce que c'est l'argent de quelqu'un que j'ai. Est-ce que c'est comme ça? Parce que tout nous dit, hein, vous allez nous donner tout ce qui se passe en arrière, parce que nous, on se questionne beaucoup. Voilà. Pourquoi te sacrifier autant alors que tu savais que je vais demander les photos? Pourquoi m'appeler pour négocier avec le photographe si tu sais que après tu lui diras de ne pas publier mes photos? Donc, Maëva, virgule, a négocié, virgule, pour que le président Amour accepte de venir au mariage de Serge. Les mariés de Paris, vous avez faim, maman? C'est comment vous forcez. C'est qu'on est gazine beaucoup par là. Hein? Tu fais ton mari, ne vient pas, ça fait quoi? Tout le gnoc porte-monnaie, gnoc pharo. Il faut nous dire, si vos pharos là, vous ne remboursez pas après. Dites-nous tout. Parce que nous, on aime le Congo ça. C'est-à-dire que nous, quand on reste comme ça, comme là, le week-end, j'ai pas eu le temps. J'avais un week-end très mouvementé. C'était Shanghai. Vendredi était anglais. Samedi était ceci, dimanche. J'ai pas eu le temps. Là, quand elle vient comme ça, il y a le vrai Japon comme ça. Vous me dites, je sors, je parle. Surtout quand c'est le père, vous voyez. Ouais, je parle. Ça sort comme ça sort. Donc, les mariages de Paris, c'est les mariages de collecte. Bien que mariage à collecter vos fonds. Donc, le président, là, il vous paye à la caisse comme ça. Et vous venez l'humilier, maman. Tu es ici, je. Quand tu me. On ne doit pas publier sa photo. Tu pouvais tout mettre ta photo, lui aussi, mais pour lui. Tu pouvais faire, on lui remet ses photos, il partage où il veut. Vous savez même comment, tu as fini de prendre 2000 euros de quelqu'un. Et même toi, le petit frère, si tu as le gros cœur, hein, il paraît qu'il y a le voice. Donc tout ça va nous prouver, parce que le voice va commencer à se promener.
Ça a fini dans mon immeuble. Sauf que maman a tout de contrôle. Maman, tout de contrôle. Maman, vous devez rembourser. Dites-nous la vérité. Hein. Ne couvrez rien dans l'affaire. Là. Ne couvrez rien. Je vous dis ça. J'étais Alain le mignon. C'est Alain. Hein. Je fais que dire Serge. C'est Alain. Pardon, excusez-moi. Serge, excusez-moi. Je ne fais que dire Serge. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Serge. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alain. Pardon, papa, me tient à genoux là de forme. Alain. Alain, c'est Alain. Je l'ai envoyé lui parler de et non négocier de sa présence car je t'ai envoyé lui parler et non négocier de sa présence car j'avais déjà fait un contrat avec lui. Si je t'ai appelé plusieurs fois, comme tu le dis, c'est à tout fait. C'est tout à fait, et c'est bon, il a dit c'est à tout fait, il a dit tout à fait normal. Vu la relation que toi et moi on a, tu as eu aussi à m'appeler plusieurs fois pour quoi que ce soit. Tu diras pas le contraire. Hey, chacun me sera important. Ils ont toutes les relations. Lui, c'est pas un condamné à mort. L'autre, là-bas, l'autre photographe, il est condamné à mort. Mais lui, il a les relations. Il n'est pas condamné à mort quand même parce qu'il n'a pas encore dit ça. Est-ce que dans les commentaires, vous avez vu ça? Non. Et Dolo, quoi dit vraiment les commentaires? Ouh, le truc là, les commentaires, jusqu'à. Tonton, laisse-les. Jérémy, quoi? Tonton, laisse-les quand même avec leur délit. La Côte d'Ivoire leur servira de leçon pour ceux qui sont encore en train de comprendre piste. C'est le minimum pour également vous faire plaisir. Pour également vous faire plaisir, oui, les photos. Tu as assisté le mariage ici devant nous. Pourquoi c'est ce mariage qui fait polémique des photos? Question. Parce qu'à chaque mariage, son histoire. Comme il n'y a rien, il n'a pas trouvé un truc, il n'y a pas un truc rattachant. Il faut que son père sorte pour nous déposer quand même quelque chose. Comment un mariage peut passer dans le France un bracata hein? Et qu'il n'y a rien. Il faut trouver quelque chose. Et le marié, toi aussi. C'est les photos de quoi? Faites photo. Mais ça, les mariages, il y a la bonne photo. On fait un album photo, on choisit. D'abord, les photos sont tellement sélectionnées. On envoie même au marié que dans les 6, si vous préférez qu'elle, il sélectionne. C'est ça qu'on fait l'album. L'album n'existe même plus en 2000 maintenant. Mais les gens gardent dans les goûts, c'est les drives, les quoi, les machins. Fichiers, ça vaut beaucoup. Et puis, parfois, ils font la clé USB. Enfin, que je ne sais même pas. Mais quand même, toi aussi. Yosh! Au moins que l'argent là, tu as remboursé. Faut nous dire. Faut tout nous dire ici. De confiance, je vais mettre 2000. Tu sais que je suis un peu dans un show-off, là, un genre à Tarakou. Je veux que les gens voient que je ne baisse pas la gamme. Mais les 2000 là, tu me rebacques. C'est tout. Dis-nous ce qui s'est passé. Comme tu n'as pas appelé pour négocier avec Maëva, qui ne voulait plus venir chez toi et que j'ai réussi à lui faire changer d'avis, c'est bon. Donc, Maëva avait des années. T'as dit qu'il allait boycotter le mariage. C'est le plaisir qui le fait venir. Maintenant, il filme, tu dis que la personne du plaisir qui est Maëva ne donne pas les photos. Vous savez même comment. À Paris, là, vous faites ça comment? Moi, déjà, quelqu'un vient te donner 2000 euros. 2000 euros. Hein? Tu fais ça comment? Choisis alors. Fais que les photos individuelles, on lui verse tout ça. Les photos où tu es, tu dis que exclusivité avec toi. Mais même à ça. Tout ça, c'est les photos. Vous savez que les gens sont mariés les téléphones. Au mariage, non. Les téléphones nous donnent déjà toute la fête. Avant même que vous amenez les photos. Les gens, les dans les maisons, il n'y a plus les albums. Tu es dans les maisons, on prend la bonne photo, on te donne de voir. C'est comme ça qu'on n'aura même plus les photos dans 100 ans, dans 50 ans. On n'aura plus les photos parce qu'on filme. Moi, par exemple, c'est dans mon téléphone. Après ça, je délègue. On me dit, va mettre ta Google Drive. Mais Google Drive, quand il va s'envoler avec son Google, les photos ne vont même plus exister. On n'a plus les photos. Vous n'avez pas remarqué, allez voir ma bouteille d'eau. Dans la boucle de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le mari a raison, l'invité aussi a raison, parce que 2400 euros, c'est beaucoup, en 2024. Bon, donc, tu fais quoi dans la vie, papa? Où est-ce que tu veux? Pour moi, il faut 10 000 kérosènes. Voit 2500, tout ça, ce n'est pas, il n'y a pas 2 mois, hein. Tout ça, c'est dans l'espace, tous les mariages, et chez Maëva, et chez Alain, et chez Corizène, tout ça, ça ne fait pas 2 mois, tout cet argent. Eh, maman, la juju, mon voiture, non, vous, mon nid là, tu ne peux pas dire que chérie, prenons, faisons ceci. Tu vends les gélules, fais la société des gélules, bon, on dit que tu as un peu plus du poids, j'ai lu les commentaires à Congo, ça va, tu es un peu grossi comme moi, à la paix. Mais fais que la société des gélules se crée internationale. Prends l'argent là, tu investis dedans. Que de partir donner de l'eau, je suis jalouse. Pardon. La paix. N'attendez pas qu'on me donne.
La paix, j'ai dit la vérité. Prends l'argent, Madame Jaguar, la copine de Ngoï. C'est comme ça que vous allez tout laisser derrière. Je salue Natacha de Monaco, la rentière internationale. Beaucoup d'argent, donc on donne 10 000 euros. 10 000 euros fait 6 500 000 francs CFA. Plus 2 000 euros à aller. Plus, peut-être chez Maïva, c'était 3 000. Tu es chinois qu'on a cherché l'argent, les barbecues. On dit que les barbecues sont les juifs. C'est les juifs du Cameroun. Ou que quand tu coupes ta bosniaque, genre, que fin de l'eau, ou fin de l'eau, un crime de commune, un crime de quoi t'as joué, chérie coco. Oh là là, tu me déçois, hein, ma fille. Tu me déçois. Même si c'est l'argent volé, ça fait quoi? Il vole aux gens qui veulent être volés. C'est honteux. N'essaye pas de dire aux gens que je vais multiplier, je vais t'aider à multiplier. Donc, c'est un voleur volé, non. Mais même à ça. Le show, frère, il y a un temps pour ça. Les années avancent. Non, j'avoue, même toi, là, vraiment, vous allez coudre les habits. Tous les habits que tu as. On t'a vu avec les bleus, les jaunes, les roses, les marrons. Tu es tout sur les tapis rouges, sur les... Tu sors même une ancienne robe, tu le portes, ça fait pas. Quelqu'un m'a dit ici que oui, tu as apporté l'habit là, tu portes ta corde. Je ne suis pas star. Que je vous ai garanti que je porterai un habit par événement. Oubliez ça. La probabilité pour que vous me voyez avec une de mes vieilles robes de l'antan. L'anniversaire, j'ai fêté mes 50 ans, j'ai cousu ma robe à la télébanque, j'ai porté ça une fois et puis j'ai reporté. Il faut même que je reporte ça. Si les brûlés, s'ils peuvent entrer dedans, ma tout tombe, même t'as fait oui que tchon. Franchement. Hé, Jaguar, tu aurais même pu trouver. Il y a même les noms d'emprunt. Tu peux même prêter même un nom pour acheter la maison. Tu peux même faire même les papiers qu'ils travaillent. Si tu arranges un truc façon, tu fais un bon apport. Quand tu amènes un bon apport, tu as pris même 50 000 euros. La banque accepte un appartement pour laver ton nom. Parce que quand Ngoï va revenir à la charge, je vous dis ça ici, qu'elle parle toutes mes choses. Moi, vous dites que moi, je vois les choses avant que ça arrive. Vous me dites que vous êtes pointé les choses avec moi. Vous dites que vous maîtrisez. Vous dites que vous maîtrisez. Tous ces agents là, ma chérie, le pied d'avion aller-retour en Côte d'Ivoire, en première classe, parce que vous ne voyagez pas, même si c'est le tchat, même si c'est le tchat, moi je ne vais pas, ça veut dire que peu importe, que ce soit le tchat, que ce soit, mais Jaguar, franchement, quand vous avez insulté, moi je vous insulte pas, moi je parle normal, tu sais que pour moi elle pas parle, elle parle normal, même quand vous étiez avec Ngoï, qu'elle parlait, ce qu'elle disait était la vérité, oui, quand on s'est parlé, après tu m'as dit que beaucoup de choses étaient la vérité, tu te demandes comment j'ai fait, pourquoi, parce que je vois mon vision, mon gars, observe woman, regarde le front, voilà. Je te dis que ma fille, tu n'assures pas. Avec tout ça là, les enfants là devaient me dire que bourse d'études dans une université de je ne sais pas quoi. Tu prends même les 15 000, tu mets en accord à compte ici chez nous là. Ça produit des intérêts. Quand les enfants ont 18 ans, il faut aller à l'université. L'argent fait déjà 30 000. 15 000 deviennent 30 000. Parce qu'ils ont. Ouais, Seigneur, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça même comment? Les commentaires, alors, hein, maman, le poste là, c'était bon à moi jusqu'à ce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas dire qu'elle parle en direct, parler d'autre, je veux parler que de ça. Mm-hmm. Voilà. Elle a encore dit quoi? Je t'ai appelé lui parler. Hein? Non, français, bon, moi. Je t'ai appelé lui parler par rapport à une incompréhension. Et si je t'ai appelé, c'est parce que tu étais la personne la plus proche de cette personne dans la vie. On passe toujours dans la vie, non, on passe toujours par quelqu'un pour trouver une solution à l'amiable. Vous les proches là, les personnes proches, tant que tu étais proche du président, mais les proches là, plus proches, les proches étaient vos proches là, font peur. Je me demande si ça vaut la peine. Je te dis que c'est pour ça que moi je veux plus voir petit enfant comme tu sais, non, je veux même plus voir quelqu'un. Ça fait peur, vos choses là me font peur. Maintenant, allez. L'autre dit quoi? Tu es trop imbu de ta personne. Change. Quelqu'un dit au président ça. Amont. L'autre dit que pourquoi tu aimes souvent te faire voir et dénigrer les autres pour rien. Mais sérieux, tu ne crois vraiment au-dessus de tout le monde. Il a raison. La relation avec le photographe est en dehors de son mariage. Toi, tu peux dire comment les gens ont contribué pour ton mariage en achetant les pains. Chut. J'ai dit que les commentaires. Toi qui vas te faire voir ailleurs que oh, tu es trop il n'importe quoi. Donc, va pleurer loin. Le prophète s'appelle Yacouba. Va pleurer loin. Dis donc. L'autre dit que Prézi en Côte d'Ivoire, kérosène,
Le mari a fait ton atalakou. Les garçons de neuf pareil, il t'a valorisé. Vous allez parmi les invités, les choix, les photographes et tes machins, ceci, cela. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand les mariages arrivent, l'autre arrive, ça efface l'autre. Oui, c'est qui est sûr. Maintenant, les photos là ne sont même plus nécessaires. Mon frère, tu n'as pas raison. Une personne fait le show à ton mariage, tu demandes qu'on ne publie pas ses photos avant le tien. Publie avant ou après, où est le problème? Si tu avais tellement peur qu'il te vole la vedette, fallait pas l'inviter tout simplement. Maman, il est parti tous les soirs chez lui pour le supplier et il dit qu'on ne publie pas ses photos. Vous-même là, tu as montré la puissance du 237 avec ton farotage. Dans le futur, les Parisiens vont te supplier pour assister à leur mariage. Maman, je dis que tu dis que dans le futur, je dis que Alain est parti tous les soirs, tous les matins pour le supplier. Et il a prêté le paquet pour Jaguar. Moi, je pleure Jaguar. Moi, je pleure Jaguar. C'est terrible. Lui-même, le président, lui-même dit c'est terrible. Bon, non, lui-même dit que c'est terrible. C'est incroyable, ma soeur. Je suis dépassée. C'est ta sorcellerie seulement ou quoi? Il m'énerve, ce monsieur qu'on appelle président. Voilà. Je suis choquée. Parle des photos. Lui, il est déjà en train de dire comment il m'a demandé tel ou tel service. C'est quoi cette bassesse? Mais c'est le versement. Tel père, telle fille. Vous êtes le père de moi, vous allez faire quoi? Le proving de ça. Le montring dans zéro. Et ça te fait mal. Ouf. Tu fais comment pour voir qu'il est partout? Voilà. Votre mariage, mon combat, vous avez élevé le niveau. C'est vraiment que l'autre dit que c'était le best des mariages de l'année. Ah bah! L'autre dit que c'est un mariage qui a pété les câbles. Qui a fait péter les câbles. Savez-vous que si vous réglez tout ça en privé, ça ne serait pas de vous, de petites personnes. Pourquoi des grandes personnes aussi respectées et respectables font ça? Ah bah! Oh yo, c'est chaud! Savez-vous que voilà, les commentaires, tellement ridicule que ça ressemble à ce que, hein, ça ressemble à ce que je ne veux pas. Mm-hmm. Pourquoi on dit Patricia? Eh, c'est Patricia Ndoumbey, ok, c'est Patricia. À ce que je ne veux pas dire, tellement ridicule. Surtout cette, ce président, hein, surtout votre président là, hein, le premier à écrire et à tirer l'attention des gens sur les réseaux. Ah, voilà, chez nous là, un frère de petite personne, Fanny, au final, tu es folle de ce président que tu chantes détester, hein, parce que je ne comprends pas ton acharnement sur lui. Alain Le Million a fait un poste et un sujet en monde de personnes, votre mari, les commentaires, hein, Patricia, tellement ridicule, maman. Oyo, Côte d'Ivoire, Kérosène, a fait ceci, vos photos partout, partout, tu montres la puissance, Mon frère, tu n'as pas raison. Une personne fait le show à ton mariage, tu ne peux pas demander qu'on ne publie pas ses photos. Oyo, on va faire comment avec Facebook, comme c'est devenu un genre. Parce que, comme je vous dis là, moi, vous savez que je ne peux pas voir ça, puisque moi, je suis bloqué. D'accord? Moi, je suis bloqué. Ah, j'ai bloqué. Voilà, je ne vois pas. Mais quand même, un peu de quand même. Moi, dans tout ça, vous savez que quand une situation arrive, on prend le pour, le contre, on débat, on spécule, on baisse, on ramasse, on fait tout ce qu'on fait. Mais à la fin de la journée, on veut tirer une leçon de vie. Une leçon de vie. Ah! La leçon à tirer. Vos mariages de la populace, là. Vos mariages de la populace, là. Vos mariages, vous voulez que tout le peuple arrive en gros et tout ça, là. Vos mariages à la con, là. Vos mariages que vous faites, là. Que vous pensez que c'est parce que vous allez inviter tout le monde. Vous oubliez même d'inviter les vraies personnes, même qui ont à cœur. On a vu Mondian pleurer le fait qu'on ne l'ait pas invité. Si notre Mondian national était invité là-bas, il ne devait même pas avoir le crabe. À la place des vieilles chouettes qui sont allées créer tout ce qu'elles ont créé et tous les Congolais, là. Peut-être on ne serait pas là aujourd'hui. Le mariage que vous faites, vous voulez 500 personnes, 1000 personnes, pensez-vous, un mariage, on n'invite pas tout le monde à un mariage. Mettez ça dans vos têtes.
On invite les personnes qui nous sont proches. Voilà que Alain dit que Prézé était proche de lui. Voilà que, comment on appelle il dit encore que Maëva a été proche de lui. Vous êtes toujours proche, amis de connaissance, de proche. Vous changez tout, vous mélangez tout. Vous familiarisez trop vite dans vos conneries de la France, là. Voilà un mariage qui passe. On voit les photos. Les gens étaient en jaune. Ngoï avait cousu sa robe avec Sanga. À ITS. Elles avaient une belle tenue façon. Même Tidji était belle. Le tissu n'a pas manqué pour sa tenue. Elles étaient bien belles là-bas. On a cassé l'égalité. Ok? Marine Mébio, pardon. Pardonne Flo. Maman Anna est déjà cadavre depuis 3 semaines. Et même si elle est cadavre, elle remplit la terre. Flo peut pardonner quelqu'un. Si maman Anna est cadavre, elle remplit la terre. Même ma mère était à mort. Elle est cadavre. Si maman Anna pas, tu vois qu'elle va remplir la terre. Chacun a sa place. Il faut laisser ça. Tu vas dans les pardons. Flo là, c'est qu'elle cherche derrière moi, elle va trouver. La laisse pas. Il faut que vous mettez ça d'abord. Elle et moi, c'est bango bango. On ne laisse pas. Elle fait, je fais. Mon mari dans sa bouche, mes enfants dans sa bouche. Mon mari, c'est mon combat. Vous comprenez quoi? Je dis que mieux je meurs. Je pardonne et tout et tout. Et tout. Et si elle a même rempli la terre, combien de gens de ma famille j'ai enterré? Il faut arrêter vos conneries, dis donc. C'est une nouvelle mort. Pardon. Qu'on prend sa salive, on colle les cahiers des enfants avec un foucoué. Voilà. Parce que les enfants à l'école, les cahiers sont à décoller. Non, ça me tient, moi, si maman, frère. On prend, on colle les cahiers avec. Fichez-moi la paix, dis donc. C'est tout comme ça. Pardon. J'ai dit que vos amitiés, vos connaissances, vos mariages que vous voulez inviter la populace là, et que vous vous mélangez les familiarités, les mélangements de mélangements là. Voilà alors le résultat. Un beau mariage, maman qui dit que c'est son combat, que c'était donné jusqu'à le niveau était élevé. Regardez alors ce que ça donne aujourd'hui. Merci ma sista. Je dis que ma coiffure est de mon compagnon. Ouais. Dorénavant, je serai comme ça. Même puis laisser le petit avec la règle, avant enlever tout. Qui n'est pas content, il met sa tête sur le bouton avant tu connais, j'ai personne. Ma vie là, c'est un tour. Comprenez quoi? C'est comme ça. J'ai dit que, je vous demande que, quand vous qui parlez là, vos mariages que vous voulez faire, ça c'est les leçons, hein? Les bonnes leçons à tirer. Les bonnes leçons. Vos mariages que vous avez à faire dorénavant, de maintenant jusqu'à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, jusqu'à pour de bon. Ne faites plus les mariages de populace. La vie est devenue très chère. Les mariés là, essayez de faire un mariage sur mesure. Calculez bien vos affaires. Ne faites plus les mariages de la population, je vous dis ça. Et invitez juste les personnes essentielles. Mieux, quelqu'un s'assoit au quartier et dit qu'il a fait, il m'a pas invité. Les 2000 dollars, les 2000 euros que vous guettez, les 2500, le faro du bruit, le ci, le ça, qui vous énerve le lendemain parce que vous retournez l'argent, peut-être. Il faut nous dire. Peut-être quand il vous donne les 2000, vous lui retournez ça. On ne comprend pas comment quelqu'un va venir te donner jusqu'à 2000 dollars au mariage et vous n'allez pas. Merci beaucoup, mon bébé. Joséphine le grand, on vous donne 2000 dollars sur un mariage, tu viens refuser qu'on donne les photos, vous tombez là, tu as dérangé. Et comme pour lui, ne part pas loin, le président, parce qu'en mettant maintenant ce film, ça éclabousse tout. Et nous, comme ça, les récupératrices, c'est parce qu'Aïcha Kamoise va toucher l'eau, c'est parce qu'Aïcha Kamoise est à son côté là-bas. Nous, on récupère, on parle. Et surtout quand ça concerne les gens là. Et est-ce qu'on laisse? On ne laisse pas? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose en même temps? Vous voyez, non? Ah. Voilà maintenant qu'un gars s'est marié. Le mariage était dolé, elle mourut. On nous a dit que c'était la chimamelure. Voilà que. On ne nous dit rien dessus. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Et qui? Un grand mariage, monsieur, un grand mariage. Vous venez salir ça. Il y a toutes les histoires. On dirait qu'aucun mariage ne va passer. Que ces gens ne soient invités et qu'il n'y ait pas de. C'est quoi, hein, vous? Toi-même, plaisir, si tu causais lui au quartier, ça faisait quoi? Même s'il a mis le poste, tu fais comme si tu n'as. Toi, tu connais son tête ici, non? Plein de choses que tu peux parler, tu as fermé ta bouche. Quand moi, j'ai seulement tendu la perche, que mon grand frère, tu as seulement sauté que vous, tellement tu voulais encore reprendre le dessus de la Stamania. Sinon, tu étais là bien. Il faut qu'on a cassé dire que tu étais là bien sans elle. Comme tu as alors retourné sans donner quoi? Vous n'êtes pas allé voir Anna, voilà quelqu'un qui vient d'écrire qu'Anna est en train de partir. Vous l'avez vu. Allez la voir, vous mettez les photos ici. Nous, on attend ça. Franchement. Ne faites plus vos mariages, vous invitez les gens. Bungu Yunalo, vous invitez 20, 30, c'est-à-dire que l'environ, la famille qui peut être là, et puis quelques amis. Faites même 40 personnes dans un endroit villégiature, un genre, et puis tout ça, tout est beau. Si vous êtes gentil, vous mettez comme la petite l'a fait. On a Myriel Blanche qui nous a montré comment on doit se marier. C'est un an après qu'on a vu les images, parce qu'on vous connaît.
Voilà un simple photographe, il fait ses photos, il fait son argent en prenant, multipliant les photos dans les soirées, il filme aussi les personnalités, les rois du show comme toi là. Et du coup, parfois, il veut aussi que tu l'honores de ta présence au moment, ça devient qu'il t'a appelé tous les soirs, tous les matins, tous les... Non. Merci Marie, oui, mon look dose, mes lunettes, oui, je sais, je suis une belle femme. Béni en arrivant, béni en partant, je sais. Oui, vous prenez le voyage de nos transformés en cauchemar, mais vraiment, maman, il y a de valeur. Mieux que quelqu'un prend son avion. Ça dit que tu fais ton mariage, tu invites les gens, quand je dis les gens, parce que chacun connaît les gens, tu n'es pas beaucoup, pas la population, pas 500, 300, le mariage, les gens avaient faim, quand les photos de nudité sont venues, les gens avaient faim, les gens étaient, oh, les gens sont allés à la boulangerie, manger les pains, avaler les essais, le vin d'honneur même qu'on devait prendre, tout est reculé de 3 heures, les autres mariages sont passés, tout ça, on est là, on marche dans le jardin, on marche dans le parc, c'est fatigué, non, c'est fatigant, non. Vous voulez que le mariage soit numéro un, c'est le numéro un de quoi? Après ça, vous ne pouvez même pas survivre. Il faut payer les photographes, payer les caméras, il faut aussi payer vos loyers, continuer à vivre. Parfois, les mariages, quand on finit, c'est le début des problèmes. Parce que justement, on commence à réfléchir que payer, là, après la femme, tu n'as pas, non, je n'ai pas les frustrations, on commence à se manger dans la maison. Le mariage ne fait même, on ne peut même pas, gars, utiliser un petit montant, faites une petite fête. C'est la morale de l'histoire. Faites une petite fête. Ne faites plus des grosses affaires, wow, ça change rien. C'est la morale de l'histoire. Associé à ça, vous prenez maintenant le voyage. Vous partez d'un endroit. C'est-à-dire que s'il y a 5 000 ou un 10 000 qui roule, prenez le 5 000, vous mettez sur vous deux. Vous partez. Imagine que tu finis ton mariage le même lendemain. On a tout réglé, les photographes. Et puis tu es dans l'avion. Tu assises comme ça, ton mari dans ta main comme ça. Vous êtes en train de partir. Tu arrêtes la main comme ça. Tu le regardes comme ça. Okay. Là-bas, là où vous allez aller, là, une semaine, là. On laisse tout derrière. Maman, même la binda, quand vous parlez souvent, ça va être la magie. Et là-bas, on se dit, oui, just married. New married, c'est ça qu'on dit, non? Bonjour, que tu dis, just married. Dès que tu arrives là-bas, là, on t'accueille. On sait que just married, on vous accueille depuis l'hôtel, la 5 étoiles, là, le ceci. Vous calculez votre argent par rapport à ça. Et ils finissent de se marier, ils retournent dans le théâtre, surtout à Paris, là. Puis tu vois, comment on donne les armoires, les ceci, les odeurs, tout ça. Elle était hier à l'hôtel là-bas où elle s'est changée et tout. Elle vient le lendemain, le photographe appelle, le caméraman, la décoratrice, le traiteur, le ceci, on n'a pas fini, retourner, les places sont cassées, il y a un point à toi, il faut ajouter un montant, ceci a fait cela, ouais, les chaises sont cassées, les gens ont fait les madras sur les chaises, ouais, les gens sans éducation, sans valeur, rien, ouais, tu mets les madras sur une chaise, va chercher le savon, demande le savon à la réception, tu viens, tu mets les chaises blanches, tu mets un peu tout ça, genre, sachant que quand on va laver, ça va quitter, nous on tâche ça et quitte. On te charge les assurances, et comme ça, votre argent finit. Bon, le loyer, le propriétaire vient, il n'y a plus moyen. Le ceci, les mariés, autrement, ils tirent la corde au cou, comme ça, ils sont plus capables. Hein? Oh, que tu prenais même, tu fais autrement, même 30, 40 personnes bien toilettées, bien là, après vous partez. Vous partez au Singapour, l'hôtel que, on voit les gens en haut dans l'hôtel, les gens sont en haut dans l'étage là-bas, j'ai mis la place là jusqu'à. Hey, j'ai déjà marié qu'il faut que je parte là. L'hôtel en haut, et puis quand c'est comme si l'eau descend, c'est manque en route. Hein. Mais si tu regardes en bas là, tu peux même tomber parce qu'en bas là, c'est les fourmis. Les gens qui sont en bas sont comme les fourmis. Tu pars que là-bas, tu dors là-bas même une semaine, tu reviens. Vous exagérez. Ou vous voulez seulement le buzz, ou vous voulez qu'on s'assoie. Hein? C'est parce qu'il veut que son mariage soit toujours le numéro 1 par rapport à leur passage sur TF1. Je pense que oui et je pense aussi que non. Parce que c'est une affaire de malentendu. Ce n'est pas une affaire de niveau de mariage. Tu comprends? Je ne pense pas que c'est un malentendu. C'est-à-dire qu'il est frustré. Et comme il est frustré du fait... Parce que quand même, il avait 2000 euros. 2000 euros, c'est beaucoup d'argent, hein, Yom Sœur Elisabeth. Ah, mon dieu, moi, il est bébé. Pourquoi 2000 euros d'argent? Donc, quand le mari est dans sa famille, peut-être paye même 5000 euros de faro. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il a le cœur pour brûler l'argent comme ça. Et non. Non. Franchement, ne tue pas. C'est-à-dire que le voyage, maman, une semaine là, ça va dépasser tout ce truc. Parce que déjà, le jour du mariage, il va vous rappeler déjà. Et après, on dit que, oh, il a fini. Le mariage part à 4h, à 3h ou à 2h. Et puis, partir dormir la lune de miel. Il n'y a jamais de lune de miel le soir là. Maman, les pieds font mal. Le corps fait mal. On est là, on rassasse tout. Les téléphones, les messages, les textos. Parce que même si tu as pris un wedding planner, le message aboutit tout chez toi. C'est-à-dire qu'on va y parler qu'il faut payer quelque chose. La wedding planner, for what, ça chez toi. Donc quand tu es couché, nuit de noces là, le matin là, retourner les assiettes. On est venu, il y a eu 4 plats cassés. Oh, les verres, on fait comme ça. La madame, le traiteur, fait comme ça. Il avait dit qu'il devait nettoyer les assiettes. Les gens n'ont pas nettoyé, ils ont laissé les saletés. Le gars a pris la caution qu'on avait déposée. Toi, tu comptais sur la caution là pour pouvoir payer ton loyer du mois d'après. Tu as laissé même 2000 $ de caution que tu as pris. Ou ton ordre réfléchit.
Le retour réfléchir. Voilà les gens que vous avez invités. Les photos. Il voulait encore quelle photo? Le président voulait encore quelle photo? Il n'a pas fait les photos. Moi, on a vu tout le monde. Il a oublié le mal. Il était en jaune. Lui, il avait un blanc. Ça avait les carrés sur lui. Sa femme avait cousu. Go, elle avait pour elle, elle avait sa main. Il y avait un peu de volant ici au ventre. C'est pas la robe là. Tu n'avais le tissu. Le tissu n'a pas manqué. Attends, tu me prenais, Fifa. Maman, qu'est-ce qui a manqué? Moi, on a l'animal. Le mal est derrière. Nous, on était sur les jeunes ce week-end. Alors que je me connecte, parce que je me connectais pour parler de cousin, parce que moi je suis un coach matrimonial. Donc sur le mariage, je suis sur ça, le triomphe des couples, ça me regarde. Ça me regarde aujourd'hui, demain, après demain. Parce que les gens qui sont là pour gâter les couples, je ne suis pas d'accord. Moi je suis sur le triomphe des couples, parce que c'est pas facile d'être en couple en 2024. Et dis ça, oh, hein, il y a tellement de concessions à faire. Donc vous devez respecter les gens qui sont en couple. Moi je suis pour le triomphe des couples, oh, hein. Donc moi je vais parler de cousin, mais je suis obligé de rentrer sur le Congo, ça. Parce que vous êtes tous salis, éclaboussés. Donc vous, les futurs mariés, là. Épargnez nos oreilles sur Facebook. Arrêtez de vous salir la toile. Arrangez-vous. Mariez-vous avec vos familles. Faites des petits choses. Allez en voyage. Enjoyez votre argent sur vous deux. Maman, tu te couches dans un hôtel là-bas à Toulon. Il y a les hôtels 5 étoiles, un genre que tu te mets comme ça dans ta chambre. Tu vois l'eau bleue. Tu vois la lumière qui s'allume la nuit. Le rideau passe blanc. Ils ont souvent les choses qui mettent des toitures sur les barres. Ah, rideau. Tu dis que maman, zone paradisiaque. Zone paradisiaque. Quand tu te lèves le matin, nous m'arrête. On te sert, on comme ça, on chante quand tu arrives à l'hôtel, que nous m'arrêtes, tu fais encore bisous. C'est comme si, yoï, ton mot, qui me fait, vous comme ça, nous on va s'aider, moi c'est bon. Après, qui dit, nous souillons sur mes tas. Toi là même, t'as Alain, non, tu as dérangé, hein. Les photos du gars là, tu devais faire quoi avec? Dans ton abou, il est sorti combien de fois? Il a quand même donné 2000 euros. Est-ce qu'il aura mis 5 photos sur l'abou? Je ne sais pas. Bon, 2000 euros, que tu as remboursé. C'est pour ça que tu peux même ça, il faut nous dire. C'est AVC. Comme c'est AVC, les qui connaissaient qui était proche de qui, les choses de Paris, là. Il faut nous dire. Mais là, il est parti donner 10 000 euros à Rosel Jaguar. Ou Zimmerlo. Si tu dors, c'est ton problème. Si tu dors, non, c'est ton problème. Il faut ronfler. Il faut ronfler. Voilà. Et ma reine-mère, j'étais à ce mariage. C'était magnifique. Rien à dire. Et j'ai bien reçu mes photos. Pas tapé les photographes qui étaient présents à ce mariage. Ah, moi, j'ai vu les photos du président. Kérosène a eu un cadeau de maison coûtant 95 millions. Oui. Kérosène, c'est un gars qui a un bon cœur. Ses invités, il a mis tout le monde en haut. Maintenant, parce que j'ai mis son nom en titre, parce que les mariages de Facebook. Kérosène, nous avons eu le petit là qui s'est marié ici là. L'acteur là, vous l'appelez qui là, le fils des riches là. Et le chanteur là, nigérien là. Oh. Le petit gars là. Laisse-moi vous dire, ah, qui me trouve laisse-moi. Laisse-moi vous, il s'est marié ici. On ne connaît même pas si. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. C'était la magie une semaine. C'est comme si c'était malade. J'ai eu le mal là, parce que j'ai eu mal aux yeux. Je n'ai pas pu reproduire, mais je n'ai pas été commenté. Parce que je ne pouvais pas reproduire mentalement. Davido, merci. Il s'est marié. C'est-à-dire qu'il a porté 17 habits, 25 habits. Parce que le président qu'il a cousu son habit là. Il a porté 25 habits même. Il a dit que le mal même était plus bon. Le mal était plus bon. Donc il s'est marié parce que c'était plus bon. On a entendu quoi? Oui, parce que nous ne suivons pas les Nigériens peut-être. Non, pardon. Déjà, le mal ne peut pas avoir ça. Toi, maintenant, le petit mignon, Alain, tu t'en vas voir ton frère, tu insistes pour qu'il vienne au mariage. Voilà, tu viens t'insulter que tu allais le voir beaucoup de fois pour qu'il vienne au mariage. Yo! Bien grunjo, vous faites ça comment? Ah, moi, tu fais ça comment? Tu fais ça comment pour dire à un petit frère que tu m'as supplié tous les soirs, tu étais avec moi pour que je vienne au mariage? Mais c'est normal, peut-être qu'il a beaucoup d'affection pour toi, mais c'est quand même de valeur. Tu n'es pas de sa famille, mais s'il décide quand même de venir, c'est comme, c'est un couteau à triple tranche, vous dérangez. Vous avez dérangé ce métal. Voilà Kérosène qui se marie. Comme les bouches, nous on est toujours dans tout. C'est-à-dire que le triomphe de couple, c'est pas pour nous. On ne sait même pas que pour se mettre en couple, ce n'est pas facile. Quand l'homme voit la femme, l'homme connaît la femme qu'il va épouser. C'est la femme qui ne connaît pas l'homme qu'elle va finir sa vie avec. Mais l'homme, quand il drague, même s'il est un gentleman, quand il drague 50 femmes, il peut draguer une femme même en boîte de nuit, danseuse nue. Et il sait que la femme, si je vais l'épouser. Mais la femme ne peut pas voir un homme, même si elle était dans tout, c'est même s'il a tout à l'église, choriste, et savoir que c'est l'homme qu'elle va épouser. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Parce que vous êtes tous là, vous comme si c'est une science infuse, c'est une suite logique. Voilà qu'on dit que Kérosène, les Ivoiriens ont fait les posts, les directs, que oh, il a fait l'enfant, trois enfants avec elle, il a l'autre enfant en France, en Côte d'Ivoire, au Canada, aux États-Unis. Les enfants sont versés partout, c'est un beau garçon.
C'est un beau garçon. On peut même coller la France, lui faire un palade et lui dire qu'il n'y a pas de problème. C'est un beau garçon. De base. Omar. C'est un beau garçon. Donc on peut même lui coller l'enfant. Il dit qu'il ne fait pas l'ADN. Il garde l'enfant. Vous êtes assis. Go. Go. Go, go. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de lire des choses importantes. Excusez-moi, mes fans. Excusez-moi mes femmes. Bon, on est d'abord comme ça. Ok, c'est bon, excusez-moi. Donc, j'avais quelque chose à faire important. Donc, je dis, vous ne pouvez pas vous lever, vous marier. Moi, je suis pour les triomphes des couples. Moi, je suis pour... Parce qu'en 2024, être en couple, c'est pas facile. Voilà le petit kérosène qui s'est levé et s'est marié. Vous avez fait les directs. Oui, il a marié la fille là. Oui, il avait l'enfant ici. Parce qu'il y a des femmes, au jour d'aujourd'hui, qui croient encore que, comme j'ai accouché les enfants avec le gars là, il va me garder. L'enfant ne retient pas dans le mariage. L'enfant peut être même le sujet du divorce. À cause de l'enfant, le couple peut même se séparer. Donc parfois, tu n'as même pas l'enfant, c'est là où le mariage est même perdu. Mettez ça dans vos bonnes têtes pour de bon. On peut faire même trois mises en situation du cas où c'est l'enfant qui a l'origine du problème du couple. Si vous n'êtes pas assez mature, assez sage pour pouvoir dissocier et vraiment, c'est comme faire des choses en diluant bien, vous pouvez partir de l'enfant et vous séparer. Mais les certaines vieilles, surtout les femmes sans, ça dit que éducation et stimuli et toutes sortes de choses pensent que nous me abreuvons. Donc on va la garder au mari, à la fin c'est la garantie du mari. Oubliez ça! Quelqu'un venait s'asseoir et dit que oui, que vous avez fait trois enfants avec vous, c'est qui là? J'ai vu une directe d'une Ivoirienne là, c'est pas gentil, là, laissé, oh le ceci, c'est là, Dieu va punir, Dieu va ceci, Dieu va cela. La fille voulait faire ses enfants avec le même père, elle a eu les enfants avec le même père. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que, oui, ouvre, on te voit pas. Hein? Attends, même minute. Est-ce que je dois mettre une minute? Attends, même minute, côté.
Mettez le cœur, mettez les cœurs, ils vont s'envoler avec le direct comme ils se sont envolés avec l'autre. J'arrive, donnez-moi quelques minutes, je gère ma personne personnelle ici, là, mais j'en suis. Mes raisons de vivre. Voilà. Ouais, pardon, faut pardonner, excusez-moi, pardonner. Vous savez, quand on est parent, on a des jeunes, on garde, ça c'est son téléphone. Donc je garde son téléphone, ça c'est mon téléphone. Ça c'est le téléphone de votre princesse. Je garde pour qu'elle fait d'abord ce qu'elle a fait avant de venir prendre. Donc elle vient me voir pour qu'on regarde un truc de son travail d'études et je lui donne, elle regarde, je regarde jusqu'à ce que tout finisse. Et il y a tout ça, on donne des temps d'antenne, des temps de téléphone aux enfants. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On connaît. Voilà. On est en bénéfice. Les enfants sont comme. Voilà. Bon, c'est pour ça. C'est ma petite nounou. Voilà. Je disais que pour que le triomphe de couple. Bonjour, bonsoir, la femme. Pour que le couple. Bonsoir, ma moraine africaine. Merci des partages. Merci, merci. Franchement, j'en ai marre de ces femmes qui pensent que parce que j'ai accouché 3 enfants, que parfois, je dirais, tu n'as pas fait d'héritier. Tu n'as pas. J'ai rempli mon mandat. Parfois, ils accouchent même 5. On les zappe avec les 5. Tu vois, non? J'ai une question, reine mère, s'il te plaît. Ne... Enfin, tu peux poser tes questions, tu sais. Je dis qu'elles accouchent, elles accouchent. Elles croient que... On dit qu'une femme a fait 3 enfants et que c'est venu et comme ça, que tu l'as laissé, tu es parti prendre bintou, bintou, ça dit, c'est bintou, ça. Maman, quand l'homme voit la femme, l'homme, monsieur, il connaît la femme qu'il va épouser. Moi, je ne l'aime les yeux. D'accord? Donc, vous là, les je ne sais même pas quoi, ou les teasers, il y a parfois les teasers dehors qui savent que oh, sa femme ne fait pas des enfants, pom, et pom, 1, 2, 3, 4, qu'elle va faire, ça va faire que, à cause des enfants, il va. Ça prend une minorité d'hommes. Oui. Ça prend une minorité, des hommes qui ne sont pas que Dieu. Un homme, quand il aime sa femme, qu'elle est mise au monde, qu'elle n'est pas mise, il est avec sa femme. Parce que n'oubliez pas, les enfants, c'est le fruit de l'amour, mais les enfants peuvent être aussi la pierre. C'est-à-dire que la plaque tournante qui gâte l'amour là-même aussi. Ah oui, ah oui. Si vous faites même 4 mises en situation, vous allez comprendre, dans les cas où les enfants deviennent problématiques et que le couple peut même se séparer autour de l'affaire de l'enfant, s'ils ne sont pas forts, solides, mentalement prêts. Oui, madame.
D'arrêter vos conneries que vous pensez que c'est parce qu'elle a accouché, elle a rempli son mandat, elle a fait l'héritier, le successeur. Donc, elle dit qu'elle a fait que les filles, elle a fait que les filles, elle a fait que les filles, il n'y aura pas de successeur, il faut qu'elle fait les garçons. Donc, elle dit qu'elle a fait que les garçons, il y aura des successeurs. Tous sont des bandits. Les garçons finissent par être des bandits. Au père dit que, la seule fille qui sort là, c'est elle qui est quelque chose. On ne garde pas l'homme avec les enfants. Les enfants, le cursus, le passage des enfants dans nos maisons est déterminé. Si Dieu nous prête longue vie, l'enfant ne fait pas trop de temps dans nos maisons. Nous qui mettons au monde. L'enfant a un âge. À partir de 20, ici en Amérique, 18, 19, 20, 21, parce qu'il peut aller étudier. Il peut se lever et te dire qu'il va étudier à Sydney. Il se lève et te dit qu'il va étudier à Singapour. Il se lève et dit qu'il a fait l'échange d'université à Paris. Quand il revient à la maison, il n'aime plus l'ambiance de la maison. Il revient, il se dit, moi je vais chercher mon travail à Miami. L'enfant pas travailler à Miami. Il fait ses CV que là-bas. Tu le verras seulement à Noël. Oui, madame. Donc le passage des enfants jusqu'à 20, 25 ans. Pour ceux qui ont trop duré. Quand un enfant va jusqu'à 30, c'est que tu es même chanceux en tant que parent dans ce pays. Sinon, en tant que normal, mais il est autonome. Il veut faire ses choses seul. Bonjour, Waris. Comment tu vas, mon fils? Il veut faire ses choses seul. Vous comprenez, non? Donc, tu ne peux pas dire qu'avec l'enfant, tu vois, l'enfant ne dure pas. Si Dieu vous... Si c'est un couple qui va vivre 50 ans ensemble, la période que les enfants avec eux est minime. En Afrique, encore, c'est pire parce qu'on envoie l'enfant élevé par l'oncle ou la tante. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, l'enfant n'est pas là. Oui, oui, l'enfant n'est pas là, l'enfant est parti. Oui, madame. Alors, vos choses que, ok, Ozan a fait l'enfant, il a fait un avec Bintou, il a fait trois ici, il a émaillé tel, tel. Bintou a su séduire son homme. Elle a su amener son homme à la légaliser. C'est tout un. Quand on vous dit de consulter les coachs en apprentissage, même de choix de conjoint, vous n'êtes pas capable. D'accord? J'ai dit que, bonjour, mon fils Waris, moi-même, je te salue. Vous n'êtes pas capable. On vous dit, la façon même de sélectionner la femme ou l'homme que vous avez pas, il y a un certain nombre, vous n'êtes pas capable. On vous dit, faites les cours de préparation au mariage pour savoir dans quoi vous vous embarquez. Vous n'êtes pas capable. Vous pensez que vous vous mariez pour les yeux des gens. Vous vous mariez pour faire la fête comme les photographes de Paris qui sont en train de prendre les saletés après leur mariage. On a deux photographes de Paris qui sont en train de prendre la saleté pourtant c'est des super belles personnes. Ils n'ont pas besoin de ça. D'accord? Donc, à un moment donné là, soyez un peu grand. Grandissons. Grandissons, sautons, je sais pas, prenons de la hauteur à un moment donné. C'est un peu abusé. Les épouses, qu'est-ce que vous faites de vos épouses, ces messieurs-là? Vous amenez tous vos épouses dans l'éclaboussure. Toi, Amour, tu as donné 10 000 euros. Tu as donné, je ne discute pas. Après, les ngoyés et les tout vont sortir, dire que je suis jalouse. Pardon. Chez moi, là, j'ai deux congélateurs. Plum. Je suis dans mon aile gauche de droite de bureau. Je suis assise là. J'ai pas besoin de m'amasser les richesses de la terre. Je vais pas acheter les immeubles, ça, pour mettre à saisir. Je vis ma vie décemment jusqu'à ce que la mort va me trouver. J'ai pas envie. Ça ne me tente pas. Quand l'homme voit la femme qu'il va épouser, il sait. Merci. Et il l'épouse. La femme qu'on aime, on ne lui perd pas le temps, on l'épouse. Si tu as fait 13 ans derrière moi, reste, on l'a laissé. Il est retourné voir la mère de son enfant. On peut même s'amuser comme ça un matin, ils sont en train de célébrer. Voilà. Peut-être toi, tu as écrit que la mère de son enfant est mari blanc, elle a ceci, mais il est retourné quand même la voir avec son mari blanc. Pourquoi il a laissé celle avec qui il habitait, qu'il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de l'épouser? La femme qu'on va épouser, quand on la voit, on l'épouse. Quand on aime une femme, on ne perd pas le temps. On l'épouse. D'accord? Et c'est l'homme qui épouse la femme, c'est pas la femme qui épouse l'homme. Arrêtez vos conneries. Quand ça vous dépasse, ouais, elle a acheté, ouais, elle a fait comme ça, ouais, elle a payé, elle est partie acheter, ouais, elle a son secrétaire, elle est partie chercher. Mais après, il faut que l'amour triomphe. Il faut que ça perdure. Il y a un travail. C'est pour ça que mon slogan vous dit terriblement marié, compte le demeurer, travaille pour le demeurer. Ah oui, ah oui, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc les gens qui sont là, parfois on dit qu'on étudie. Comme José a chanté que quel genre de diplôme. Parfois on dit qu'on étudie la femme. C'est le cahier, maman. C'est le livre. Tu étudies quoi sur elle? Si ce n'est pas bon. Next. Le prochain. Le suivant. Et il y a des femmes qui... Le mariage n'est pas une fin en soi. Mettons ça dans notre tête. Quand elle dit terriblement marié pour le demain, tu travailles pour le demain. Ce n'est pas pour chicoter les gens. C'est parce que trop de gens se sont empris à mon foyer quand ils ont décidé de me combattre. J'ai dit, mais attends, vous fumez quoi? Vous savez pas qu'il y a le wok? Je travaille tous les jours aux solutions des problèmes de mon couple. Ça ne chauffe pas. Ben, c'est pas rose tous les jours. Quelqu'un vous dit que le bail est rose tous les jours, il vous ment. Hein? Voilà le corps qui a aussi perturbé le temps, perdu le temps. Décomé, le mot pourtant est vraiment. Voilà le nom. Voilà Ngoy qui avait refusé Amé Kamé. C'est qu'Amé Kamé nous allait nous sauver sur Facebook. Oshiga a récupéré le rôle à main. Oui, c'est comme ça. C'est un gros travail, le mariage. C'est facile.
Tu rentres le soir du travail, tu dois réfléchir ce que le chéri va manger, surtout dans notre contexte africain. Pour les blancs, il y en a que c'est eux-mêmes qui cuisinent et tout. Parfois aussi le chéri rentre en cuisine, mais c'est dans des rares cas. Tu rentres le soir, tu sais que bon, tu te souviens que tu as un reste de sauce d'arachide, l'ingingin, tu vas mettre le gombo, c'est l'ingingin, tu as tout le couscous. Mais est-ce que ton mari va manger ça? Peut-être lui, c'est lui prend son steak, c'est ceci, c'est toi, tu dois te rentrer à la cuisine, tu dois un peu chauffer tes mains. Oui, madame. Et tu es une hygiène, tu dois rentrer dans ton lit étant fraîche pète tout le temps, parce que tu ne sais jamais, you know. Et puis des odeurs, you know, par rapport. Il y a le wok. Si tu es même en vacances ou en voyage, c'est là où tu te lâches. Tu ne fais rien. Mais quand tu es en mariage, ça prend un certain temps. Et vice versa. La femme travaille, le mari travaille. C'est les concessions. Ce n'est pas la blague. Qu'on ne vous mente pas. Quand on te dit 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, quand même, ma wok, formidable. Quand même, tu fous. C'est là-haut, ma chère. Voilà les jeunes couples, comme les deux photographes qu'on a, le duo des photographes, qui finissent le mariage en scandale. Vous voulez nous montrer quoi sur l'état? Toi, tu pars parler au quartier, Vondo, viens te mettre sur le feu. Toi, tu portes un Vondo, tu mets sur le Vondo, te le mets. Donc, c'est quoi? Vous nous amenez où en fait? Vous ne pouvez pas vous taire même. C'est la honte. L'argent que vous devez utiliser pour faire vos vacances et tout, faire vos trucs, je ne sais pas, votre mari, vous allez utiliser peut-être pour que les autres jeunes copient même. Ça fait peur. Maintenant, les jeunes là, le fait que les mariages à 300 personnes, 400, tous les pailles, les ceci, les atois, c'est le pipeau. Le mariage à l'africaine, c'est du n'importe quoi. Mariez-vous comme les blancs. Le blanc passe, prend sa gare, il va sur le plat de la Côte d'Azur, le parc de sucre de Cuba. Il se met à deux, il prend un célébrant, il vient, il dit ses voeux, il embrasse, il se fait sa mère, son père, sa tante, sa cousine, ceux qui étaient proches récents, les récents proches, quelques trois, quatre amis. Il s'éclate là-bas, le reste d'argent est beaucoup. Beaucoup comme ça. On rentre, on achète même la maison. Non, mariage africain là, avec tout ce qu'on met dessus comme ça là. Après ça, c'est le clash. Maintenant, la femme va rentrer et dit que ouais, regarde ce qu'il a dit. On va maintenant commencer à lire les commentaires. Ouais, quelqu'un d'autre a dit ceci. Ouais, comme ça, a fait. Maëva est devenue condamnée à mort. Un homme se marie même pas une semaine. Qui doit faire la ligne de brûler sur Facebook pour qu'il est condamné à mort et qu'il a signé un pacte. Sa femme va dire quoi? Je plaise seulement Bridget. Voilà les mariages que vous nous donnez. Voilà le profil de mariage que nous avons. Nous assurons sur Facebook, vous voyez les photos. Nous sommes contents de voir le mariage. Même quand vous invitez les vieilles rococos que nous savons que, elles, que ça ne vaut pas la peine. Elles viennent pourquoi? Pour copier comment elles vont se marier. Non, pour venir salir. Prenez même les jeunes filles pour qu'elles prennent un peu de la graine, qu'elles apprennent. Prenez les jeunes filles dans les stars. Même les vieilles rococos qui viennent pour appuyer sur ça. Oh. C'est mieux. Tu te maries comme les blancs. Je te mens pas, maman. Parce qu'on parle de ce qu'on peut. Oui, c'est bien pour les photos, l'état, son mariage, c'était ceci. Les gens parlent. Et puis quoi? D'abord, au mariage, sur ton mariage là, dans la salle, les gens te critiquent. Parfois même, il t'a dit que dans la salle de ton, on te lave ses cheveux. Quelqu'un t'a mangé le poulet que tu l'as invité, que toi tu considères être le genre que, elle n'est pas belle dans sa robe là. Elle fait des manières. C'est ce que la mère qu'elle se sent de son mari. Pardon. Tu as même vu le mari, trouver au couloir, tu ne parles pas, même vu pour son numéro. La paix. Oui, le concours dans le mariage. La mariée, oui, pardon. La façon que la mariée a pleuré, maman, je t'ai dit qu'on a seulement envoyé les nudes de son mari. Moi, c'est chaud. Au lieu que les gens sont en train de manger, dans ça, et vous la faites, que vous avez payé des milliers d'euros pour faire la fête, qu'on peut vous casser. Que, maman, les nudes de ça. Moi, elle est partie le lendemain manger le contre. Elle coupait le contre comme ça, elle coupait la viande, sur le contre, les chèvres. Elle vous lavait, les nudes, le mariage. Mais vraiment, c'est pas gentil, mais elle tient. Elle profite, elle dépose quand même le colis. Mais c'est comme si elle supporte. Tu connais une tonne charlotte, non? Une tonne charlotte, tu crois que tu souffres. Adieu, elle nous parlait de quoi? Moi, je dis que, voilà, on est fatigué. À un moment donné, il faut qu'on avance. Hein, parce que les Ivoiriens nous montrent tous les jours, on n'a pas compris. Nous, on n'a toujours pas compris, quoi. Voilà un marié qui refuse de donner une photo au roi du show. Le président fondateur, ça veut dire que celui que le show pour lui, ça veut dire que toutes ces années, il est dans le show. Sa fille, vous voyez, venue du ski, ils sont dans les HLM, la chambre des affaires est montée, les essais, a fait cela. Nous, on a 10 000 euros, dans le monde, 5 000 euros. Prends même un nom d'emprunt, tu prends même un appartement quelque part. Non, peut-être chez vous, vous ne pouvez pas, t'es conçu au pays, parce qu'on dit qu'ils ont les domaines là-bas. Vous irez vivre là-bas quand? Voilà encore notre volet. Nous vivons dans la promiscuité en Europe, on conçoit une forteresse au pays, mais on peut au pays une fois ou deux ans. On va vivre dedans. À moins qu'on vous retourne définitivement au pays, ok. Mais la plupart de nous ne sommes pas en train de retourner définitivement. À quoi ça sert de verser une forteresse là-bas? Je pose des questions. Hein. Moi, je pose des questions. Il est même judicieux et préférable d'acheter ici pour la valeur que ça prend pendant que c'est ici. L'immobilier, le boom. C'est-à-dire qu'un appartement qu'on loue à 700 devient 1200 ou 1500.
Est-ce que ce n'est pas préférable d'avoir une maison ici que d'aller acheter des terrains, verser la clôture, construire le château, le dit château qu'on te tue avant que tu entres. Le dit château que quand tu vas même venir, quand tu viens en vacances, comme on sait que le château, là, c'est pour un homme qui est aux États-Unis. Parce que même si tu caches, même c'est ta nièce qui fait le chantier. Un jour, sauf, tu vas appeler pendant qu'elle sera le gars qui livre le ciment. Et on va parler, elle va dire que lui, l'argent que tu m'as envoyé, lui, ton chantier, sinon je veux tout faire. Et le gars va dire que, yeah, elle est comme ça, elle parle, c'est pas pour elle, c'est pour que quand on Amérique, la lumière pas. Le jour qu'on voit la voiture garée devant le château là, que tu as fini de construire, tu as fini de meubler, on vient vous agresser devant la nuit que vous êtes venu. Si vous amusez même vos passeports, partez, ça prend une autre route. Oui, madame, et on vous agresse, on vous violente même. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Attendez, c'est mon mari qui m'appelle. Ce sang de ma veine, chérie. Je causais avec mon mari. Mon mari, mon combat. L'homme de ma vie, celui qui a mis mon numéro en haut, qui m'a marié mairie, église d'hôte. Que les vieilles chouettes ont décidé qu'elles devaient détruire mon foyer. Elles ont utilisé tous les alibis qu'elles avaient. J'ai rasé ma tête de congolais pendant le confinement. Parce que je suis devenue folle. Alors que je peux marcher avec ma tête comme ça. Je marche avec ma tête comme ça. Je gère personne. Quand j'arrive, on dit, madame, vous êtes très belle. J'ai la niaque, je suis debout. Pop, pop. Mais attends, c'est la blague ou quoi? Je n'aime pas les choses sur moi à 53 ans que j'ai mes camps. Dans une semaine, même pas. Mon anniversaire, c'est le 13 octobre. Donc, dans deux semaines, net, net, j'ai 53 balais. Je peux aimer les choses sur moi par rapport à quoi? Vous êtes toujours sur les couples des gens. Parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous êtes jaloux. Pourtant, vous savez bien qu'à deux, on vit intensément. Et ce que Dieu a uni,
Personne ne peut s'épargner. Vous vous arrangez quand vous prenez quand même le risque, vous essayez quand même, vous avez quand même risqué pour gâter les choses que Dieu a fait comme ça pour unir. Oui, oui, madame. On vous connaît. Essayez aujourd'hui. On vous connaît. Mais moi, comme je vous dis là, je suis terriblement. Ma mari, jusqu'à le feu sort. Mais je travaille. Je travaille. Alain, le mignon est dans mon direct. Je te salue, Alain, mais tu as une dème. Je vais te dire pourquoi tu as une dème, Alain, si tu es dans mon direct, petit frère. Tu as invité le roi du show. Ok? Il y a d'autres invités qui disent qu'ils étaient au maïs avec leur photo. Il ne fallait pas que tu embarques dans ce terrain avec le roi du show. Parce que le roi du show, ces choses finissent sur Facebook comme sa fille. C'est les gens que pour eux. C'est quand ils viennent, c'est pour prouver aux gens. Et quand ils viennent pour prouver aux gens, les choses finissent sur la toile pour prouver. Parce que le monde maintenant a tellement parlé de ça. C'est ce qu'ils voulaient. Nous, on parle. Tu vois? Tu as fait un beau mariage. Maman qui était à ton mariage, maman qui est personnelle, elle a aimé ton mariage. Elle dit que c'était magnifique. Il n'y a même pas. C'est-à-dire que maman qui était tellement belle là-bas. Vous avez les petits gens, les gens bien comme les mamans. Vous pouvez prendre les vieilles rococos, vous ajoutez dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire les mariages gros. Si votre mariage, c'est pas sans que ces vieilles rococos et ces bavards et tout ça arrive. Moi, je ne sais pas. Mais faut que tu nous dises, si le 2000 euros, tu as remboursé. Parce que s'il t'a donné 2000 euros en 2024, il a quand même beaucoup donné. Tu devais laisser ces photos passer. Vous savez qu'on dit souvent qu'il y a la combine même au ciel. Ça, c'est Alain. C'est là où tu as des petits frères. Ça veut dire que tu devais laisser. On donne ces photos. Parce que tu sais que dans le milieu, il y a les gens des jaloux. Tu ne sais pas combien on a donné à Maëva. Ton, t'as donné 2000. Peut-être lui, on lui a donné aussi 2000 ou 1500. Par rapport à papotage, tu causes avec lui, oui, cause avec lui. Les voix se mélangent. C'est comme ça. Vous êtes dans un endroit de coup bas. Tu ne devais pas. Tu ne devais pas l'interdire ces photos. Tu lui donnes toutes ces photos. Parce que maintenant, tes photos-là ne servent plus à rien. Il est allé au mariage de Kérosène. Ce n'est que pour Kérosène qui va prendre le dehors. Pour toi, c'est fini, mon fils. Alors, au fur et à mesure, alors, en rang aligné, ton mari était il y a 2 semaines ou 3. Maintenant, nous sommes dans l'ère de Kérosène. Cette semaine-là, il va pourrir la toile avec ce qu'il a fait. La vidéo de 10 000 euros, on a dit qu'on m'envoyait. Moi, je vais poster. Mais sauf que, toi, qu'est-ce qui se passe? On verse ton affaire, ton nom, tu es là, tu t'expliques. On dit que tu as supplié, mon petit frère, tu supplies quelqu'un pour venir au mariage pendant des jours et des jours, tous les soirs. Merde, tu appelles 50 fois. Mais je demande, vos mariages là, merde, les gens qui pleurent, qui ne sont pas invités au mariage, toi tu supplies pour qu'on vienne à ton mariage. Et mais la personne répond et te donne quand même 2000 euros. Plus 400 de tes musiciens, tes DJ ou tes musiciens. Tout ça, c'est pour toi. Même si on donne 2000 euros pour toi, 400 pour les musiciens, 500 pour la décoratrice, 300 pour le ceci, tout ça, c'est ce qu'on a donné dans ton mariage. Plus les habits sont chômés, ils ont cousu les vêtements. Mon petit frère, tu as une demande. Fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Franchement, il fallait pas faire ça. Mais c'est pas, hein. Fallait pas que tu fasses ça, je te dis. Fallait pas faire ça. Tu as vraiment des petits frères, moi, je te dis. Tu as dérangé. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est maintenant sur ça. Nous, on commence maintenant à s'envoler avec. Moi, elle m'a envolé ma façon. L'autre va s'envoler sa façon. Chacun va dire, lui-même, le président, pour qu'il lui-même, il a sa façon. Hein, parce qu'il pouvait causer avec ton quartier. En tant que. Ah, femme, comment tu vas? Ça va très bien. Bonsoir, merci. Tu es très belle dans ta nouvelle coiffure en passant. Oh oui, merci, c'est mon coco du bord, je te dis, ils vont me capturer, ils ne me mettent pas, tout ce que j'en ai à foutre, moi. C'est terriblement marié. Je suis très content d'intervenir dans ton direct, mais tu sais que ça énerve les gens quand j'interviens dans un direct. Merci pour l'opportunité. Vas-y, pose ta question. Alain le mignon est là. Voilà, Alain le mignon, j'espère que tu as pris les Doliprane ce soir, parce qu'on m'a dit que j'en ai lu là. Non, je ne sais pas si le rhinofébral est encore sur le marché, mais moi je t'aurais conseillé le rhinofébral. Parce que c'est le cardio. Ouais, c'est pas facile. Je te comprends, grand, mais ça va aller. Tu peux demander le conseil à Defao Messang. Il peut te dire comment ça fait. Donc, c'était une question. Tu vas bouffer ta part les tchamis parce que les gens vont s'envoler avec ça. Non, vraiment, merci Red Bio de me donner la parole dans ton live. Donc, je vais dire voilà, à mes amis que je ne parle plus de la politique. Je vais rester dans le Njapap et je compte rester pendant longtemps. Voilà. J'assume, je suis un papa congolais.
suis un papa comme ça. Voilà. Et je suis sûr que c'est la fin qui justifie les moyens. Même dans le noir, il ne dort pas seul. Oui. Dieu a fait. Allez, le nom a dérangé. Il a quand même dérangé ton plaisir. Même un gars du show, pour le plaisir, beaucoup là. Tu gardes tes photos, mon frère. Voilà maintenant que le mariage de Cosan a parlé de lui. Et tu vas encore gérer les photos là. C'est fini, c'est fini. Tu as tout dit. Tu as tout dit. 10 000 euros et 2 000 euros, mon frère. Il me laissait ça là-bas. Hey, non, déjà, hein? On a fait une la... vidéo. Moi, je demandais qu'elle reine mes vieux. Comment on a fait pour ne pas éviter la reine des Lélé? Pourtant, elle dit que c'est la Uno des Uno. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Ils sont en train de cotiser pour le bien de la donne d'Anna Ndrenga, la baveuse. C'est chaud. Il n'y a pas d'argent. Par contre, on dit que le président des Beaux-Arts a souffert pour avoir le bien. Il a souffrance. Ouais. Oui. Le bien de. Mais à ma grande surprise. Mais oui. Non, je ne crois pas. Non, ça, je dis non. C'est pourquoi je dis non. Non, non. Moi, je dis non. Il ne peut pas souffrir pour avoir le bien. Tu peux voir. C'était quand même sa personne. Il a fait son anniversaire. Tu te rappelles l'anniversaire de Mike Ozone était Kofi Olomide était. C'est leur personne. Non, non, il ne peut pas. Il paye, non, c'est gratuit. Il paye. Est-ce que c'est le fruit, c'est le fromage? Mais mmh. Tu penses qu'il est trop beau? Pourquoi on fait tout ça? Le mignon est écrit. Enfin, le marié a écrit. Écoutons, lisons ce que le marié a fait. Ouais, il me fait aussi de la peine. Hein. Avant de prendre son délicat, on peut lire un peu, non? Je peux lire. Mais tu as le droit de lire, non? Tu as le j'ai droit. J'ai fait mon mariage pour faire plaisir à ma femme, déjà pour commencer, et je ne l'ai jamais supplié pour venir à mon mariage. Tu vois? Attends, le président qui l'a appelé 50 fois. Il dit, je l'ai invité par rapport à notre relation et il le sait très bien. Dans mon mariage, il n'est pas le seul qui a faroté. Parlant du cas de farotage, ce n'était pas une obligation car donner le cadeau à quelqu'un et venir après le dire sur la toile, c'est une déception. I'm telling you, véritable déception. Je préfère même que tu me donnes l'enveloppe au quartier, on reste là-bas. J'ai honte de ça juste. Ne passe pas le message, j'ai déjà capturé, donc ne passe pas. Donc ne passe, ne cherche plus à effacer. Donc si tu veux tuer, si tu veux pas tuer, tu dois tuer. J'espère que tu n'es pas encore. Tu n'as pas mis pour capturer, tu ne peux effacer. Non, je crois que allez le mignon comparé à la condamnée à mort. Lui, peut-être pas condamné à mort. Parce qu'il semble expliquer. Parce que le condamné à mort est sorti du truc le même jour. Et quand Ngoye est sorti, ping, Ngoye devait comprendre. Le condamné m'a sorti qu'il a suivi le marché. Elle semble être quand même téméraire. Il tient son goût. Je crois pas qu'il va supprimer ça. Parfois, quand les drogués là ont déjà pris un filon là, il y a le courage de descendre jusqu'à ça finit pas. Hein. Ouais. Oui. Oh, là, là. Alors, tu vois, quand ils ont un challenge de parler, le courage qui coule, c'est la magie. Donc c'est pour ça qu'il dit que j'espère ouais. Que si il compte le passer, il y aura attaqué. En fait, attends, je ne sais pas qu'est-ce qui a animé notre petit frère Alain pour qu'il refuse de publier des photos. Alain, moi j'ai une question. Pourquoi tu as fait le mariage pour faire plaisir à ta femme, c'est correct. Ta femme peut dire je veux un gros voilà. Mariage. Parce qu'il y a des femmes qui veulent un gros mariage. Ça, que, ta femme n'a pas marié, elle n'a pas la porte d'azur, elle ne va pas se sentir bien. Elle veut le gros, elle veut le monde, elle veut se lever. Elle a une journée à elle et elle est la reine. C'est correct. Et c'est mais qu'il pourquoi tu as refusé que Maï va publier? Et comment tu as envoyé le voice à Maïva qui se retrouve chez le président par rapport à quelque chose comme ça? Quelle flamme! Et enfin? Bon, mais bien, il écoute, non? J'espère qu'il va répondre. Que... Comment il a parce que, il faut dire que le président hypocrite, c'est un roi chaud. Lui, son problème, c'est prouver. C'est pour ça que je pleure, Jaguar, parce qu'en tant que femme bamileke bosniaque, ça va pas avoir 10 000 euros là-bas, 2 000 euros là-bas, 400 euros ici, ceci, cela, et être toujours dans l'appartement comme vous nous avez décrit. Je pense qu'en tout moment, ils vont upgrader. C'est ce que je me dis, hein, que je peux me tromper. Parce que s'il faut payer tous ces argent et être toujours dans l'appartement, mais sinon, il faut choisir une vie vraiment assez précaire ici. Non, non mais la vérité fait toujours mal, mais bien, il doit comprendre que son mari est là passé. Nous sommes là, c'est kérosène. Donc, je ne sais pas comment. Le président n'a pas pu toucher ça. C'était. Il devait lui donner ça la semaine passée. Puis, c'est maintenant là. C'est que les photos de Kérosène. Le président de Beaux-Arts,
Il est déjà en train de lécher là-bas. Tu as supplié quelqu'un qui t'a appelé mille fois pour qu'il vienne, c'est lui qui l'a dit. On ne t'a pas invité. Respectez ce qu'il t'a demandé, les invités. Vraiment de Dieu. Il dit que tu es venu chez lui tous les soirs. Et qui est? Même le président se prend sérieux. Et puis quand tu vois, c'est un pinda. Je fais mon mariage. Et puis quand je viens tous les soirs chez quelqu'un qui soit en mariage, pourquoi lui c'est qui? Même ma mère. C'est-à-dire que, attends, c'est mon père, c'est même mon père, ma mère. Donc je vais, si j'ai les moyens, mes parents, je vais faire la paix avec mes parents pour qu'ils viennent en mariage. Mais je vais pas être tous les soirs chez quelqu'un, un quelqu'un pour qu'il vienne en mariage, la paix 50 fois. Mon plaisir, il a marché. Tu sais que c'est les gens qui ne connaissent pas le président des Bozaïs là qui pensent qu'il a quelque chose. Hein. C'est un chinda, Ren Medio. C'est un chinda. C'est les gens qui ne le connaissent pas qui le prennent pour quelque chose. Le Hamot là que tu vois, c'est un villageois. Comprends le Ren Medio. Maman, tu sais que le type là m'a dépassé. On peut faire ça. Pourquoi tous les mains pour les gens? C'est pas pour eux. C'est quoi? C'est quoi, vous? Quelqu'un écrit qu'il veut garder la femme d'or que le seul meilleur mariage sur Facebook, c'est le mariage de son mariage. Il était passé à la télé, n'importe quoi. Ouais. En tout cas, allez le mignon. Je te dis seulement comme mon fils, mon petit frère, mon fils, je ne sais pas. Moi, j'ai 53 ans, peut-être même ta mère. Mon fils, quand tu t'en vas demander 50 fois à ton mari de venir à ton mariage, il est écrit. Hein. En plus de ça, tu refuses de lui ses photos, que tu sais que lui, c'est pas photo. Quand il finit de habiller sa fille, il doit faire les photos. Il fallait laisser son publier ses photos, tu as fait les photos des autres. C'était les photos de moi. Dans ton avis, il a beaucoup de photos qui va être plus loin dedans. C'est pas les photos de ta femme. Avec que tes yeux, ton beau film là. Tu as fait des complets, complets, mon frère. Il l'a dérangé. Il l'a dérangé. Il a cousu son tenue, hein. La dernière. Nous, on est déjà sur l'air kérosène. Non, allez, allez, donner l'occasion à Yacouba de se faire voir jusqu'à faire gonfler son comme le tapioca. Venez, citez-moi physiquement, me supplier pour venir à ton mariage. Hé, Alain Le Mignon, entre là pour direct pour dire quelque chose et démentir ses rumeurs. Je te jure, mon fils. Ça m'a dérangé. Je dis, mais attends. Et tu supplies quelqu'un pour venir à ton mariage. Le mariage, déjà quand on finit le mariage, attends, on n'a jamais vu les anniversaires. Il y a des gens qui disent que tu m'as fait inviter, qui sont même des vraies personnes, mais tu as sélectionné, tu as fermé. Moi, on appelle ici fermé. Tu dis qu'on ne peut pas conduire tout le monde. 15 heures, tu fermes. Le mariage, il a marché chez lui tous les soirs, il a supplié. 50 fois, il a fait. Je ne sais pas que les gens. Il a dit. L'andem. Et tu finis comme ça, il t'a donné 2400 euros. Ça dit que 2000 pour 400. Mais c'est pour l'album. Parce que moi, on ne fait même plus l'album en 2024. Vous remettez que l'album, quand tu as d'ailleurs, tu vas encore les albums. Non, c'est numérique, non. Tu es numérique, c'est digital. Non, allez, tu as un petit peu. Réalement, je te dis que non. Ce sont les gens qui voient le Jola comme quelqu'un. Le proxénète de la reine des Lélé, parce que je ne sais pas comment un homme peut supplier son ami garçon. Maintenant, là, il a l'air de kérosène. Il va comprendre quoi. Même les photos, même ce porcher, là, il va se foutre. Parce que maintenant, après, il est mal à tapis, là-bas, chez vous. Les tapis argentés, le sang plié, comme ça, les gens, glissement. Il racolait là-bas, comme d'habitude. Un chinda, toujours en train de faire genre pour attirer l'attention. On ne le calculait même pas. Qui le calculait là-bas? Qui le calculait? Moi, j'ai fouillé dans ses bagages pour voir si je peux trouver la reine des Lélé, la soi-disant une des une. Je ne l'ai pas vue. Le billet d'avion. C'est Abidjan, hein? C'est pas ça, Abidjan, le billet d'avion. Non, le billet d'avion, c'est quoi? Ce sont les tchatchas, non? C'est le tchatcha, même les étoiles. Dites-moi un peu. C'était à Abidjan, mais c'est ça qu'elle dit que c'est le tchatcha, non? C'est le tchatcha. Moi, il va prendre l'argent. Est-ce que c'est un bien normal, mais bien, c'est le tcha-tcha, non? Waouh! Le tcha-tcha existe en 2024 avec l'inflation et les gens qui ont les yeux. Mais bien, quand il y a le message, dès que ça vient, les gens bloquent les gens. Tu parles de quoi? Mais bien, le tcha-tcha, c'est le tcha. Moi, il te dit ça, oh. Il
y a le code de sécurité dans le centre de choc qui t'envoie un email qui te dit de répondre avec un. Et ça, c'est comme avant. C'est un métier, tu ne crois pas. Et dis que même les étoiles là, quand tu dis que 50 000 étoiles des lolos, tout ça là, c'est le faux, c'est le tcha. Tu ne crois pas ça. Mais il y a plus. Maintenant, c'est vraiment. Donc, vrai, là, tu penses que les étoiles là, quand tu dis que 50 000, donc tu penses que c'est la vérité. C'est pas vrai. Ce qui me dérange, c'est les épouses de ces paris là. Que ce soit l'épouse du condamné à mort, que ce soit la femme est partie, c'est comment? C'est parti, la femme a disparu. Que ce soit l'épouse du condamné à mort, que ce soit l'épouse de comment on appelle, du premier syllabe, du comment on appelle celui-ci. C'est ça qui m'embête, les épouses, parce que les pauvres, elles sont là, elles ne parlent même presque pas. Même l'épouse du président hypocrite, est-ce qu'elle parle? Mais elle est là, dès qu'on fait, elle monte, elle descend dans les avions, elle ne fait que des patrons. Tu sais, peut-être nous on calcule, on réfléchit au lendemain, on pense au vieux jour. Peut-être ils ont conçu la forteresse, ils vont peut-être aller entrer dans la forteresse au pays, comme on nous montre souvent sur les réseaux. Peut-être il y a des gens qui vivent pas comme ça, mais moi, je ne vivrai pas pour compter sur une maison dans un pays que je n'habite pas. Il faut qu'on soit honnête. C'est là où je vis que je suis. Parce que le jour que la mort me frappe, mon usufruit de mon espace, c'est là où je suis. Je ne peux pas vivre ici dans la promiscuité serrée, aller construire la forteresse là où je pars une fois ou trois ans ou une fois. Je pars faire trois semaines ou deux semaines. On peut même me tuer. Je n'entre pas dans cette forteresse. On a vu Dorcas Malofomo pleurer ici sur Facebook que si c'était à recommencer tout l'argent, elle a versé des millions et des millions sur des maisons là au pays. Elle regrette amèrement que même ses enfants n'iront même pas là-bas. Mais ses enfants sont en train de planifier leur vie que oh, dans les pays ici. Elle-même Dorcas a fait le direct, elle a parlé de ça. C'est pour vous commencer à vous mettre là. On ne dit pas que ne construisez pas au pays. Nuance. Mais sauf qu'il y a des motifs et des raisons de construire. Et le timing. Tu ne peux pas être jeune, avoir encore toute la force, avoir des argent, aller déposer 40 millions enterrés là-bas et venir maintenant ici. Quand la vieillesse arrive, tu ne peux plus avoir la force. Tu fais comment? Parce que descendre, aller vivre au pays, il faut aussi faire très attention. Parce que étant là-bas, avec les infrastructures, les problèmes de santé, les ceci, les cela, dès que tu t'arrives, s'il n'y a pas tous les moyens pour te guérir, tu peux passer comme ça, comme l'amusement. Parce que l'on va te dire qu'il faut un scanner, mais l'appareil est en panne. Le gars qui a la clé du magasin, où on a le groupe Les Joseph pour dépanner, et au funérail de son grand-père au village. Il revient lundi soir. Le carburant pour faire la station service, il n'y a plus d'essence. Trop d'histoires pour qu'on te fasse ce maudit test pour te dire de quoi tu souffres, la douleur du travail. Ça, c'est notre triste réalité. Alors, par rapport, si Dieu t'a sorti de là, on dit souvent que, moi je dis personnellement, la Bible dit que là où tout lieu où foule ta plante de tes pieds, ce lieu je te donne. Donc Dieu te retire, te donne le Canada comme moi il m'a donné le Canada. Moi je porte encore mes deux pieds, je retourne que je devais dire qu'il est bête. Il est bête. Mais le Canada là où j'ai quand même un minimum de quoi. Donc je préfère m'établir sur la terre qui m'a donné de m'établir, qui est le Canada. Pourquoi je veux être au Canada et vouloir construire la forteresse au pays, qu'en venant même pour entrer, on peut finir un mois. On a au moins les cas. Les gens qui ont on va dire que c'est quelques cas, mais c'est vérifié. Donc le gars est parti construire tout ça, il a quitté, qui va voir ce qu'il a construit, ils vont leur finir et lui. Il était marié avec une noire américaine. Ses enfants ont attendu peut-être 3 ans. À un moment, 3, 4 ans, 5 ans, ils vont aller voir ce que leur papa a fait, ils vont encore finir ses enfants. La mère, c'est la partie des causes, états unis enterrés. Sous ce fil, ça rose. Plein d'histoires. Je vais vous dire quoi? Quand ici, on vend aussi le terrain, comment on vend le terrain là-bas? On vous dit que le terrain s'apprécie, ça s'apprécie aussi ici. Donc, c'est pas pour que ça s'apprécie. Tu portes tout, tu pars en terrain là-bas, tu n'es même pas là-bas deux fois l'année. Même pas une fois. Quand tu pars, tu fais trois semaines. Quand tu fais trois semaines, si ça y a Yaoundé que tu as acheté au terrain, tu as construit, tu as Douala. Si ça y a Douala, tu vas faire Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bonsamba, Bazou, Bamaté, n'importe quoi. Donc, tu vas, si tu fais un mois là, un mois, tu as 4 nuits à Yaoundé, 5 nuits à Douala, 3 nuits à Bafoussam, 4 nuits à Bafoussam, tu n'es même pas dans la forteresse. Les autres ont fait les maîtres à meubler pour mettre les comment dire, Airbnb ou je sais pas quoi là. Le business va tourner. Avant de te raconter que les gens n'ont pas pris la raison. Tu as même la caméra, tu vois quelqu'un, toi tu dis que non, le gars là qui est en train finalement a fait que. On te raconte pour une histoire. Au point tu en as marre. Si tu veux avoir l'ABC, c'est pas le comment ça, tu peux pas faire. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que tu vas discuter jusqu'en. Tu es en train de construire le terrain, le sable que tu achètes. Tu achètes 10 sacs de ciment, 3 sacs pour mon gars qui va. Quand tu fais même niveau le ciment, on dit ça que non, moi j'ai bien arrangé pour moi. Mon ciment, on prend ça directement de Foku. Quand le gars vient d'y faire, c'est que dès que tu tournes le pied, les sacs, quand il ouvre les sacs, dès que tu as mouvement, ça part derrière. Il y a toujours la frappe. Ici aussi, on vole. Je ne peux pas te dire qu'ici aussi, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas au prolétariat de chez nous, c'est quand même abusif.
C'est abusé. La majorité des personnes qui ont fait cela regrettent bien après. Terriblement. Je connais au moins 7 personnes qui regrettent. Même des personnes sûres qui regrettent et qui ont investi. Dieu seul sait. Dieu seul sait. On ne peut pas calculer la magie seulement de l'investissement. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Soyons allumés. Réveillons-nous. Nous sommes la génération des sacrifiés. Nous avons tout donné, tout fait. Nous sommes venus ici, c'est la vie, voilà. Nous, on veut aussi faire, on va attendre que... Nous sommes la génération des sacrifiés. Ah oui, oui, nous sommes la génération des sacrifiés. C'est parce qu'on parle là. Franchement. Ah! On nous mêle. 40 millions qui vont justifier ça comment ici en Europe, raison pour laquelle beaucoup vont investir en Afrique. Non, Zizi, je vais t'expliquer. Tu dis justifier comment? Oui, c'est vrai que surtout en Europe, ils ne travaillent pas. Mais je vais te dire, il y a même les achats avec des intermédiaires, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais tu dis justifier comment? Oui, peut-être pour les Fémans, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui travaille, moi je connais des gens qui travaillent, mais ils envoient là-bas, ils font des trucs là-bas plus qu'ici. Ils vivent ici dans la promiscuité avec leurs enfants serrés, et ils espèrent créer un paradis meilleur là-bas. Quand est-ce qu'ils iront? Leurs enfants ne vont jamais les suivre. Et tu fais tout pour aussi les enfants. Vous devez faire usufruit de votre espace pendant que vous y êtes. Mais vous êtes en train d'avancer. Vous êtes serrés. C'est quand que vous allez vivre. Et n'oubliez pas que la mort est à la porte de tout le monde. La mort nous a tous mis sur liste d'attente. De ton mouvement, tu te couches, tu ne te lèves pas. On parle de toi ce mot passé. C'est comme ça. Donc, vraiment, moi, je dis, franchement, il faut qu'on se réveille vite, quoi. C'est ça. Moi, je me mets bien ici. Moi, je suis bien. Je me mets bien ici comme je veux. Voilà. J'ai envie de mon jacuzzi. Je réfléchis sur mon jacuzzi. J'ai créé mon budget dans mes petits moyens de mon jacuzzi. Je vais porter mon jacuzzi. Je mets le soir, comme ça, comme il commence à faire frais, j'en prends mon champagne. Je vais m'asseoir dans mon jacuzzi. Tranquille. Je suis rendu à l'âge du jacuzzi. C'est là où je suis rendu. Je me mets bien. C'est là que j'aspire à ça. Il faut que je l'ai. Ça me fait plaisir d'avoir un dans ma cour et que je vais brancher ma soie dedans. Ça me fait non. Oui, je suis rendue là. Attends, c'est blabla. J'ai fait un direct exactement sur ce sujet samedi. Je ne sais pas, lui. Ici d'abord. Oui, surtout que les enfants grandissent. Je parlais des Fémans et les vendeuses de piment. Oui, je suis d'accord. Fémans et les vendeuses de piment n'ont pas le choix. Franchement, il faut arrêter. Avoir quelqu'un va te faire jusqu'à montre tes titres de propriété, montre ton titre foncé, voici mon terrain, ouais ton terrain, ils sont là serrés dans les appâts. Tu ne payes pas le bailleur, tu commences à fuir, tu grattes ton corps. La fin ne t'appartient pas. Quand le bailleur vient te dire qu'il faut que tu sortes, parce qu'il va utiliser ça pour faire du télé, souvent tu sors, on va te vider de la maison propre. On va construire la forteresse au pays. Non. En tout cas, allez le mignon. Tu vois, non? Alain Le Mignon, tu t'es frotté au grand, c'est-à-dire que les gens, les armes de destruction massive de Facebook. Franchement, c'est-à-dire que vous vous organisez à détruire, c'est-à-dire que les gens qui passent partout là, c'est quelqu'un te farote, il a besoin de dire combien t'as farote. Hey! Oh, vous coupez pardon. J'ai même fait comment pour connaître les gens là de près. Pardon, ne me cherchez plus, ne me parlez plus. Restez là, vous comprenez. Quelqu'un t'a faroté, tu dis qu'il t'a faroté tel montant. Il a dedans au photographe, ceci, au caméraman, au musicien, au chanteur, au comme si, tout. Maman, il a payé son habit, sa chaussure, son transport, son ceci. Ouh, vous comprenez. Mon foma Facebook. Hey, vous tirez pas. Vous êtes vraiment quelque chose, je vous assure. Vraiment quelque chose. Je suis dépassée. Donc, je suis vraiment dépassée. C'est vraiment quelque chose. Le truc avec les vendeuses de pépé, c'est qu'elles n'ont pas en quelque sorte le choix parce que la majorité ne peut pas justifier leur cash et donc obligé d'en... Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je parle des personnes parce qu'il y a aussi des couples vraiment... bien assis, Maureen, qui peuvent, you know. Mais ils sont ici, serrés, et ils vont au pays, construire la forteresse. Maman, quand tu viens, je dis qu'on finit à nettoyer. Retour tout au bas là. Retour, le même soir que tu as, on te fait manger un truc, un genre, on dit qu'il pleurait le mal de ventre, tu es là, puis la Guinée se frelatait. On a tout qui est frelaté chez nous.
Faut faire attention. Quand vous descendez, mais prenez vos alcools, vous descendez avec. Ça fait peur, hein? C'est compliqué. Donc, vraiment, c'est compliqué. Moi, je dis et je répète, le petit jeune qui s'est marié là, il ne méritait pas ça. L'homme épouse la femme qu'il veut. Et quand l'homme voit une femme, il sait que celle-ci, je vais l'épouser. Doit arrêter de pondre les enfants avec les maris de tuy ou les hommes de tuy, croyant qu'avec vos nombres d'enfants, on va vous marier. Oublie ça. L'enfant ne fait pas. C'est pas avec l'enfant qu'on va retenir l'homme. Jamais ne ment. L'homme qui veut partir, partir. L'homme qui veut rester, rester. Oh, enfant ou pas. Je m'engage pas avec mon mari. Je m'engage pas. Enfant ou pas, je m'engage pas avec mon mari, je m'engage pas. Enfin ou pas, je m'engage pas dans ta maison, je m'engage pas. Je m'engage pas, je m'engage pas. Vous comprenez, non? C'est ça. Arrêtez vos conneries. Est-ce qu'il y a les questions de l'essai? Oui, les questions m'avaient fait mon souper 19h, j'ai quand même très bien. Ça m'a tenté de parler. J'ai vu tout ça, que non, le président a dérangé. Il fait les choses de sa fille. Il dit qu'ils ont causé chez la baronne, mais il est quand même déposé ici. Non, il a dérangé. Il a dérangé comment? Il a vraiment dérangé. Donc, c'est ça. La mariée et tout, et franchement, la mariée et tout, elle va être seulement bon, mal, quoi. Je veux dire, la pauvre, elle va faire comment? Il a vraiment dérangé. Enfant ou pas, je m'engage pas dans ma maison, je m'engage pas. Maman, j'ai dit qu'un, vous avez aussi vu, non? Vous avez aussi vu l'autre là. Le deuil de mamie Ton, Ngoï n'est pas parti. J'ai écrit, j'ai posé la question que Ngoï est de Fokwe. Moi, je pensais que mamie Ton était Bamandé, Bangoula, pour Bamandé, de Bazou. Il y a les mamie Ton à Bazou, les mamie Ton à Bamandé. Mais c'est son nom de ça, il paraît qu'elle est de quoi là? Elle est de il paraît qu'elle est de Fokwe. Mais, comme Ngoï, c'est ma calcul, ma plan. À un moment, l'homme malheur aurait dit à vous. C'est sûr que le mariage de Cousin, elle aurait voulu aller, mais c'est le billet d'avion qui a manqué. Quand il lance son cadeau, voilà. Elle a pris ses deux pieds en France. Elle est partie au deuil de tout pour pleurer le deuil de tout. Oui, madame. Après, elle a demandé au pangolin qu'elle avait fait, on n'a pas mangé, elle a le pangolin. Deux pieds, pas trop deuil de tout, pleurer le père et tout. Insulter le deuil ici le lendemain jusqu'à. Alors, mamie, donc, sa soeur Tchankounia, du village Fokwe. Parce que c'était elle la cuisine même de Anne à qui elle habite. Maman, elle n'a pas mis les pieds. Je ne sais pas si elle a fait trop le deuil. Je ne sais même pas si elle a fait le deuil. Mais je ne pense même pas qu'elle a fait le deuil. Ne pense pas. Maman, ma peau glow, hein. La magie seulement. Je suis fraîche comme ça, mon convoi. Elle n'a même pas. Est-ce qu'elle a fait le deuil vraiment même de sa soeur? Voilà alors sa soeur. Elle dit s'assoit ici sur l'histoire d'Aïdjo. Comme oh, les artistes, vous ne gardez pas l'argent, vous décidez tout ça. Sa soeur Fokwe avait gardé combien de paix à son âme? Question. Je vois que ta taline est venue au rebond. D'une manière comme j'aime, parce qu'il faut qu'on tape sec sur certaines personnes qui comprennent. Peu importe ce que les autres vont analyser, que oui, j'ai tribalisé, on n'a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Des fois, il faut taper sec. Elle n'est pas allée au deuil. Parce que c'est le deuil, dès qu'elle est absolument malade, comme ça, on commence à cotiser. De là, c'est un deuil. Si c'était que ma chère, elle allait gratistonner le deuil, là, essayer de raser les murs. Elle a dit ça. Elle a le deuil de sa soeur. Puisqu'on a enterré la femme, elle n'était pas. Elle la reste. Mère de Fokwe. L'âme. Je viens faire le poste, quelqu'un m'écrit que oui, oh, toi aussi tu es allé. Hey, je ne t'en voudrais pas. Je ne t'en voudrais pas. Je ne t'en voudrais pas. Je ne voudrais pas. J'ai aussi les mots dans ma famille. Ouh, pensez que c'est ce que je veux, maman. Toi aussi tu es allé. C'est elle qui court derrière les deuils. Elle pensait qu'elle est allée au Nadine, quand elle est allée chez Toki. Elle était au Shabbat. Je vous avais dit ça avant même que la réception au Shabbat. De réception, là où le genre de buffet de la réception, là où on ne demande pas, on ne vérifie pas si tous les plats qu'on a commandés sont sur la table. Il y a des buffets qu'on a fini, on livre le truc, le chef de cérémonie, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'on vient livrer le repas, elle regarde sur le buffet pour voir si tous les plateaux sont placés. C'est la première chose. Entre-temps, maintenant, les serveurs du traiteur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un endroit où ils vont charger. Si le chargement fait un genre comme si tout le monde allait à manger, les choses commencent, les mamies commencent à se couvrir, à aller charger dans la voiture, très vite avec le reste.
Oui, parce qu'ils vont parler de ça aller après. Les tétons, on leur maintient. D'accord? Mais sauf que le buffet où on goyait Thomas, il ne vous ment pas au deuil. C'était le buffet qu'on ne vérifie pas. Là-bas, il y a le sangha. Il y a le sangha. Il y a les mères d'arachide, les mères de pistache. Il y a les bâtons, mais Thomas. On ne vérifie pas. Il n'y a pas le pangolin. Quand ils voulaient manger le pangolin, donc on vend en route le pangolin à 10 000. 12 000. Vous ne pouvez pas parler de 12 000. Elle paye le pangolin, elle vend au quartier. Elle vend au quartier, elle fait un lumse avec le semaine à la façon des Yaoundé. Ça a dépassé mon. Elle fait même un lumse avec le truc du village à la façon des Américains. Ça a dépassé mon. Ouais. On a dit que, oh, il y a le fond. Oh, on a le truc, on a le fond. Oh, ceci, cela. Oh, comme ça a fait. Oh, on n'a pas mangé le pangolin. Oh, un mariage, un deuil comme ça. Là. On s'attendait à ceci. Oh, Shabbat. Elle croyait qu'elle était là où il y a les Ronaldino, les bonbons là. Parce qu'elle pensait que ce qu'on n'avait pas respiré, maman, si la fille avait fait la photo, mais elle était au deuil, on n'avait pas respiré. Même à l'hiver, il y avait moyen, maman. Georgette était d'abord debout quand on a pris le protocole. On a avancé pour la colonie. Maman, pasteur. Pasteur Washi, le mignon. Le gars est mignon, c'est comme un gars de 28 ans, mon frère. Et quand il est beau, il va rester beau longtemps. Ouais, Seigneur. Elle veut aussi à que elle va arriver. Et qui? La rase propre, laissée au fond. Le buffet est le sangha. Déjà, le buffet qui a le sangha, c'est santé, hein? Le sangha est santé. Avec le zoom sans sel. Il y a le sangha, il y a le. Comment on appelle? C'est le buffet, non? Il y a le sangha, il y a quoi encore? Le mintumba, le mets de pistache. Dans le mets de pistache, non, on met les œufs. On met un peu de. On va mettre quoi même dedans pour le shabbat? Parce que le mets de pistache, il a dit là. Quand tu mets ça dans la bouche, on dit que c'est quel mec qui a fait ça. C'est bon jusqu'à. Voilà. Viens nous parler. Je suis Sungoye quand je veux et comme je veux. Celui qui n'est pas content se désabonne. Vous avez l'ordre. Ne vous perdez pas pour mettre vos commentaires. Je vous bloque. C'est quand je veux. C'est quand je veux. Parce que Sungoye a décidé que mon mari, mon homme, est son ballon ping-pong. Elle va jouer le ping-pong avec lui. Un monsieur qui n'est pas capable de taper la mouche. Maman, je vais faire ça, moi, jusqu'à. Je vais m'envoler avec elle jusqu'à ce que la salive va me finir dans ma bouche. Tu vois toutes les salives que Anna a rassemblées ici sur Facebook. Elle crache ça en saut, là. Je vais m'envoler avec elle. Voilà. C'est comme ça. Jusqu'à ce que mon mari finisse dans son esprit. Il dit son esprit, son subconscient. C'est-à-dire que ça rejette des. Voilà un deuil de sa yam soeur. N'a pas pu mettre les pieds. Mais viens d'abord parler du deuil d'Aïdjou. Parlez, vous n'aimez pas. Vous ne mettez pas l'argent de côté. Vous les artistes là, vous mangez l'argent. Il faut mettre, quand vous avez 100 euros, mettez 20 de côté. Moi, j'ai mis combien de côté depuis qu'on la connaît? Question. Elle n'a pas fait le litchi pour ramener la mère? Question. Mais Jaron aussi n'a pas aidé. Hein. Au lieu de donner 10 000 à poser, prenez même 2 000, vous donnez en goyer, tu elle enlève le litchi. Hé, n'oubliez pas, le litchi de la maison encore en ligne. Le litchi de la maison, elle a vidé l'argent dedans, mais ça encore allé, ça marque 9 000 euros. Elle a quand même atteint 9 000 dans le Ndjangui, il y a aussi le Ndjangui dedans, c'était quand même 9 000. Mais souffre hein, cette femme. Pour finir la maison, 9 000 euros, ça peut suffire. La grosse maison de Dieu éternel, 9 000 euros ne peut pas suffire. Petite voleuse, petite escroque, tu viens nous parler. Un pari, on parle terrible, maman, allez, voilà. Hey, maman! Oh, maman! C'est bon à moi jusqu'à maman! C'est bon à moi jusqu'à. Bon, c'est un peu ça. Moi, je suis là, je suis là. Je suis tranquille. Je prends les choses pour bien bien. 37 degrés, température normale. Je vais aller chercher quelque chose à manger. C'est même déjà un peu tard. Et je vais me coucher tôt parce que. Et je vais dire au président que de prendre son mal en patient, l'hypocrite. Et puis voilà, il y a déjà les photos de Kérosène, il ne pouvait même plus pleurer les photos du gars là encore aujourd'hui. Voilà. Donc, qui gère les photos de Kérosène, et puis c'est tout. Bon, maintenant, on a l'autre côté aussi, notre fille. On a notre fille Aïcha. C'est demain qu'elle m'assoit sur ça. Sur la liste des donateurs du deuil de la sœur de Ngoy. De feu, maman, mamiton. Ça, j'ai un problème. Parce qu'Aïcha, elle s'assoit et dit qu'elle va verser la liste des gens qui ont donné l'argent. Vous dérangez. Vous venez déranger. Aïcha, j'ai ton colis pour demain chérie. Elle m'assoit sur toi. Tu déranges. Aïcha, tu as fait une action
positive, tu veux maintenant essayer de chier tout ça. Pourquoi vous êtes content, ça m'a vendu au village. J'arrive sur toi demain. Bisous.